Alors, on se retrouve au 84e jour sur le Schult. Et vous étiez arrivé au sommet d'un plateau la dernière fois. Et vu que vous êtes tous très galants, vous aviez laissé passer en premier Nessuno à travers le portail de cette ville en ruine qui se trouve face à vous. Nessuno, tu n'avais détecté apparemment aucun piège. Et donc, Apparemment. tu passes ce portail. Et rien ne se passe. Mis à part qu'en fait, le village est quand même plongé dans une petite brume, assez près du sol. Et contrairement au cliché, on pourrait voir des corbeaux s'envoler. Là, c'est pas des corbeaux en fait qui s'envolent quand tu pénètres dans la ville. Ce sont, ça ressemble en tout cas à des singes, mais des singes volants. Oh non! Des Singe minuscules. volant. Ouais. Qui s'envole en direction du centre, à votre opposé, au T'es niveau du pas fait centre embrouiller d'un. une fois par des singes? Ouais! Dans le doute, Pas moi je voulais volant, je tuer. De crois. De toute façon, dans le but, on bute tout, hein. Dans le Oui, but, on parce bute que tout. normalement, quand ils On avait meurent, ils reviennent remis pas. nos armures, en fait. Je crois que. Ah, je sais pas. Ça va se régler au dé. Attends. Bah moi je Allez. je l'ai en équipé donc non oui. J'ai le Bon. bouton sinon je l'aurais pas fait. Père. Père, je l'ai. Père, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah Je m'en tiens rappelle plus. alors. Et Voilà. moi je l'ai mis en tout cas. Sinon j'aurais pas cliqué sur équipé. Voilà Nessuno, ce que tu vois s'envoler. Alors, au pire avant qu'on rentre dans cette merde, je fous ton armure Ouais, mais si je vois des singes comme Ah ça, mais je ils vais sont trop m'habiller. Hein. mignons! Oui, ben on verra ce que ça donnera avec une hallebarde à travers le bide. Hein. Est-ce que c'est toujours mignon? Il y a Fubert qui se tourne vers les T-Rex, c'est. Vous pensez que c'est bon à manger? Ah, c'est ça se mange. Un petit goût à la fois de mammifère et de poulet. Oui, voilà quand. Bon, je vais mettre l'armor parce que c'est vrai qu'on sait pas ce qui va se passer dans cette cité de mort. Et au moins tu pourras foutre tes trucs de précieux, tu pourras les foutre sous la côte de maille. Ah, parce que c'est comme les Roumains? Ah, ça aime ce qui ça brille hein, dans les animaux. Hein. Ah non, on n'a dit pas ça. D'accord. La vidéo, elle va encore se faire têche par YouTube. Ouais, c'est ça. Non, mais vous êtes trop fragile. Je passe l'arche aussi. Hein. Et ils sont tout fluffy, peut-être que ça veut dire qu'ils conservent le gras et donc, et donc ils vont avoir une viande bien grasse, ça doit être Bon, on bon. verra. Je sais Je pas, sais pas moi ce je que vois c'est. de futurs chaussons ou des manchons. Chaussons. Le groupe qui On aime tout ce qui est brillant, connaît ces mais à la biens? broche. Là ou pas là? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? T'as Un petit cru que test de j'étais un salaud nature. ou pas? Donc je vais demander au rôdeur spé les marais. Est-ce que dans les marais, il y a des merdes comme ça qui volent? Je pense que ça va être non. Y a des chances que ce soit plutôt un habitant des jungles, je pense. Oh, Non. merde. Ah, ça manque Mais. de couleur pour la jungle, hein. On peut faire Non, un je test de sais. nature même si on n'est pas, même si on n'a pas de la Oui, maîtrise. tu Mais peux. normalement, tu peux tout faire, hein. Tu peux Les tenter. compé. Mais Ah oui, après. mais. Je voulais l'aider en citant tous les animaux qui volent. Ouais, super. Je vais voir les compétences, vous savez, j'ai un gros Alors, bouton. effectivement, c'est. Ça a l'air d'un singe volant. Comme ça, a priori, ça a l'air inoffensif. Mais il y en a un seul ou plusieurs déjà? Non, il y en a 3-4 qui sont envolés au moment où tu as pénétré en fait par le portail. Ah, s'ils sont volés, c'est soit qu'ils vont prévenir leurs copains, soit qu'ils ont eu peur, et donc c'est des. J'allais dire des Ils faibles, mais sont bon. loin de nous ou pas?
Bah là, ils commencent à s'en... Enfin, ils s'envolent, ouais, ils sont à une... Bah, tu vois, quoi, une vingtaine de mètres, quoi. Et ils partent de nous, on est d'accord. Hein. Voilà, ouais, ils vont à l'opposé, ouais, ils vont... Non, parce que j'avais une javeline, sinon. Bah, je me demandais si j'allais pas tirer un petit carreau d'arbalète, en fait. Dans le doute, on sait jamais. Ils vont bien se poser quelque part, de toute façon. On les non, mais j'aurais dit pour... Ouais, ou pour le fun, mais après... Alors, du coup, pour la question qui a été posée juste avant, apparemment, si je dis pas de bêtises, effectivement, il n'y a plus cette blague qui dit si t'as pas au moins un point dedans, tu ne maîtrises pas, donc tu peux pas faire de jet. Parce qu'en principe, c'est plus des jets de carac que à qui tu associes de temps en temps une compétence. Enfin, ils l'ont fait dans ce sens-là, dans ce jeu. Ben oui. Et voilà, tu maîtrises tout. Enfin, tu maîtrises pas tout, mais t'as la maîtrise de certains trucs. D'où le plus 2, plus 2. Voilà, donc il y a pas de limitation du genre t'as pas de compétences, t'as pas de connaissances, tu peux faire pas la juger. C'est juste que bon bah forcément tu as beaucoup moins de chance sans les maîtrises, sans les et d'autres trucs du genre. Ouais. Tout à fait. Donc bon, après je considère que je suis jamais allé dans une jungle, ces trucs je sais pas ce que c'est. Il y a ça aussi, ça peut rentrer en compte. Je regarde les crânes empilés. Là. Ils ont l'air vieux, genre jaunis. Blanchis par le soleil. Ouais, voilà. Tu vois que oui, ils sont pas tout à fait récents. Ouais. Ils sont pas très récents. Ils sont pas très récents. Donc là, du coup, on est encore au niveau du portail. Ouais. Ah, portail. Oui. D'accord. Il y a que moi. Enfin, tout le monde les voit ces petits singes, du coup. Ou il y a que moi. Non, tout le monde. Non, vous les avez tous vus. Ouais, ouais. J'avais un doute. En gros, ils sont juste derrière toi. Hein. Ils sont à quoi, ouais. 4-5 mètres derrière toi. Ils t'ont laissé avancer. Parce que j'hésite à... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez faim ou... On les laisse tranquilles, ces petites bestioles? Bah, pour le moment, il n'y en a que quelques-unes. S'il y en a une armée qui nous tombe dessus, on va peut-être éviter de les provoquer. Oui, après, voilà. S'ils deviennent trop curieux ou ils s'approchent trop, on fera un peu de bruit ou un peu de feu pour les effrayer. Je sais pas, On n'a pas un petit fruit ou un petit truc à leur balancer pour on voir a si on peut l'apprivoiser? Oui, on a des bébés. T'as pas un accordéon? Alors les bébés magiques de mémoire, ça a pas... Ah non, merde, c'est peut-être... Je sais pas si les bénéficiaires du rôdeur, elles ont un goût. Moi, je veux bien essayer dans thème 1, ouais. Est-ce que je peux... je sais pas... Je vais finir par lui balancer monstrueusement mignon et histoire qu'elle est tout ce qu'il faut qu'elle ne s'en plus. Un sort monstrueusement mignon, t'as dit? Non, c'est un livre. C'est rien, t'en fais pas. Bah, voilà. Est-ce que je peux... j'ai des couverts ou quelque chose où je pourrais tendre du miel pour appâter la bestiole, je sais pas, ou mettre du miel sur un bâton et tendre le bâton. Écoute, oui, tu peux tenter. Tu peux tenter. Tu peux tenter un test... Alors, je tiens à préciser que je vais prendre ma petite serpe. Au cas où, derrière mon dos, au cas où il m'attaque, tu vois, histoire de... Viens, avec le manteau dans le dos. C'est ça, viens. Non, mais je lui ferai rien. S'il est gentil, je la pose par terre. Ça me rappelle Diplomatie, là, le jeu de société. Tu vois, vraiment, les mecs avec les couteaux dans le dos. Hein. Viens. Je pourrais tout autant avoir un trait de feu... Enfin, lancé d'une seule main, mais j'ai pas envie d'abîmer sa fourrure. Oui, mais il faut faire attention. Alors. Ça coûte cher les expéditions dans le Schult. Et oui, si seulement on avait un druide. C'est vrai que si on en tue quelques-uns et qu'on entame le cuir, ça pourrait se revendre. Et puis attends, avec des ailes et tout, ou si on les empaille. Oh. Bon, écoutez... En fait, vous avez trouvé la malédiction. Non, mais non, mais on est super. on a des singes empaillés. Super Clodo. C'est ça. Moi, j'honore ma déesse. Oh là, et il oui. n'y a pas de petit profit. Vokine, pardon, guide chacun de mes pas et chacune de mes actions. Guide ma main dans mon dos. Non, ça c'est quoi, Masque? Non, je sais plus comment il s'appelle, le dieu des assassins. Mais non.
Alors, tu peux me faire un test de sagesse dressage, s'il te plaît, Ah, j'ai avec ça. des avantages. Ah, merde. Ah, oui. Je crois que Mais c'est couteau. peut-être est-ce que Ah tu oui, peux mais utiliser ton truc exactement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que je peux pas. Bah, pour n'importe quel jet. Ouais. Donc ça te fait rien. Enfin, Donc tu le voilà. lances normal, du coup. Ah putain. Je ne vois pas sagesse. C'est dressage. Dressage. Ah, d'accord, pardon. Parce qu'en principe, tu associes ça avec une compétence. Bon, bah voilà. Non, mais là, c'est dommage, hein. Bon, t'as tenté, hein, mais non, Il veut pas mon il y petit en a un miel. qui, voilà, il y en a un qui était le dernier à s'envoler, qui t'a regardé quand t'as essayé Qui a de lâché un plaid au passage. l'appeler. Des clodos, vite, on se barre! Et donc, il s'envole avec les autres. D'accord. Mais j'ai une question peut-être candide, mais est-ce qu'il est possible en jeu de rôle de réitérer? C'est-à-dire de dire non, non, je veux m'acharner et je veux Ah bah non, réessayer mais là, non, là ils sont partis. laisser casser, donc ça va être compliqué. Oui, mais s'il en restait. Donc félicitations, tu vas avoir le droit à un sursaut à ton prochain sort niveau 1 et plus, t'as un sursaut automatique. Mais c'est bien. Par contre, je me mets à 5 mètres de distance. Oui. On sait Par jamais. contre, là, je suis pas censé lancer un des 20, justement. Non, c'est au Ah prochain non, non, sort. non. Par contre, Ah, au prochain prochain sort. sort, c'est pas un peut-être. Oui. Là, c'est sûr, c'est tu fais directement le descend pour le sursaut d'énergie magique Ok. de sauvage. Donc attention, on a potentiellement une bombe. Quel qu'en soit le résultat, vous récupérez ensuite ses capacités. Ah, mais c'est fort. Bon, par contre, c'est dangereux. Non, mais je suis sûr que ça valait le coup de tenter de tendre un bâton avec du miel, ça va nous aider. Bon, et qu'est-ce qu'on voit d'autre alors, maintenant qu'ils se sont tirés et qu'on a mis 10 plombes pour ces singes volants là? Alors, du coup, vous commencez à avancer dans. À farfouiller, bien Est-ce sûr. qu'on a une image d'où on est ou pas encore? Non. Non, pas encore, ok, Non, ça va. non, non, non. Non, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de budget. Très bien. Il n'y a plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent. Donc vous avancez dans ce qui reste en fait d'une ville. Ouais. Il reste uniquement enfin, la plupart des fondations en pierre des maisons. Quelques-unes, vous pouvez voir qu'elles devaient être aussi surmontées en bois et en chaume, mais tout a été détruit par le temps finalement. Et genre, Et par la pluie, les les crânes vents. humains, les crânes humains, c'était une décoration culturelle ou il n'y en a qu'à l'entrée? Alors, il n'y en avait qu'à l'entrée, oui. Et que les crânes, il n'y avait pas les corps qu'elle avait avec. Non. C'est peut-être les ennemis, hein. Je sais plus où c'est. Alors, vous pouvez voir à certains endroits dans ces ruines, les rampes en fait, ou les morceaux de bois qui restent, qui sont envahis ben, par les plantes qui reprennent un petit peu leur droit sur tout ce qui avait été créé par les humanoïdes. Au bout d'un. Donc vous traversez ceci, je pense que vous observez un petit peu, vous voyez à un moment donné ce qui ressemble à une vieille citerne. Donc dans le sol, si vous voulez, vous avez toute la margelle et les murs de la citerne qui sont en briques. Donc ça fait à peu près une ouverture dans le sol d'environ 4,50 m de diamètre. Et au fond, environ aussi à 4-5 m, ben, il y a une eau assez noire. Ouais, génial. Qui veut aller là-dedans? Je crois que Bah, personne. je peux toujours balancer un petit trait de feu, c'est goudron, ça fera une jolie flamme. Est-ce que je peux renifler avant l'odeur du truc Vas-y. de là? Je suis nul en reniflage, hein. Je suis pas censé avoir des papilles gustatives, mais je vais renifler. N'est pas plus qui t'a dit. Donc là, bah tu ouais, vas-y, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Si tu veux.
Ouh. Ah. Rien d'exceptionnel. Ça sent l'eau qui stagne, quoi. Alors, ça sent la maison. Ouais, voilà. J'aurais une question. Ouais. Parce que là, je vois les jets de dés se faire. Azumi, est-ce que tu te rappelles de tes deux derniers jets de divination? Oui. Ou est-ce qu'on peut les relancer? Bonne au question. Cas où. On peut les relancer là, attends, pour la journée. Quand est-ce qu'on a fait l'affrontement? Est-ce que c'était des jours avant l'affrontement ou c'était juste un congrès? C'était un jour avant. Deux jours avant. Pas retiré. J'ai pas retiré. C'est pas grave. Ok, c'est cool. C'est bien ça, manipuler les géants. Oui. Ça me rappelle Linette. Hein. quoi vous pensez quoi tout à mal. Vous êtes vraiment bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi je joue avec vous. Alors. Donc du coup, vous avez sur votre chemin cette citerne. Ok. Vous continuez votre chemin. 4-5 mètres, c'est ça, hein. Ouais, 4-5 mètres en dessous, ouais. Je viens de mettre une armoire, quoi. Je vais pas me glisser là-dedans. J'aurais bien été voir, mais... Vous en faites pas, moi, je peux y aller voir, là. Ok. Vas-y, hein, prends des risques. J'ai une corde, je peux descendre. Si ça se trouve, c'est une autre jouvence. Tu la bois et tu meurs. Mais t'inquiète pas, ils vont te ressusciter. Ah bah non, merde. Je suis là, j'ai les mains prêtes. Ben, j'attache la corde et je descends tranquillou. Ouais, okay. On peut l'aider. De toute façon, j'ai un kit d'escalade et tout. Donc. Ouais, c'est... Bah oui, de toute façon, là... On ferait pas une détection de la magie ou un truc dans le champ. Non, c'est trop tard, je descends. Trop tard, il faut... Moi, je vais quand même me pencher au-dessus de la citerne au cas où il faut glacer un petit peu cette flotte. Donc, ben, je descends tous mes sens pourris aux aguets. Ouais. Et, quitte à mettre la tête dans l'eau, puisque je suis pas machin truc, mais je peux retenir ma respiration. Ouais. Tout à fait. Donc, tu mets une première patte dans l'eau. L'eau un peu vaseuse, ça te rappelle un peu la maison. Tu vois qu'elle est tellement sale que c'est impossible de voir à travers. Donc, tu mets la tête dans l'eau. Alors attendez, j'aurais une question. J'aurais une proposition, mais vas-y, commence. Non, j'allais dire, T-Rex, tu veux pas un petit bâton pour sonder la flotte au cas où il y aurait des sales bestioles dedans? Je suis dedans, quoi. Alors, est-ce que j'ai pied ou est-ce que j'ai pas pied, au fait? Non, pour l'instant, t'as pas pied. Enfin, t'es toujours tenu par la corde. Hein. Je suis tenu par la corde qui fait quoi, 15 mètres? J'ai une question. Est-ce qu'il est possible, et là je pose ça à Fubert, de purifier l'eau? Bah oui, purification de l'eau. Il est parti prendre un sirop, je m'entends. Bon, à la question. Non, j'avais juste coupé le micro en fait. Alors. En fait, j'ai dit conneries tout à l'heure, on m'entend pas. Oui. Ah merde. Et voilà, c'est ça. Des... Hein. Enfin bref. Alors, la question étant, est-ce qu'il est possible de purifier l'eau? Oui, quand j'aurai le sort. D'accord, donc c'est pas possible à l'heure actuelle. Non, et ouais, puis c'est. Je sais pas combien c'est, mais. C'est dans une sphère de 1,5 mètre de rayon. Bon, ouais, donc, ouais, c'est, okay. Donc c'est mort. C'est ouais, mort. Non. C'est mort. Voilà. Non, je l'ai viré ce sort justement parce que avec l'épée magique, on avait plus forcément besoin que je bouffe deux sorts par jour pour faire de l'eau et purifier la bouffe. Alors, donc, notre ami T-Rex. Alors, tu commences à descendre entièrement dans l'eau. C'est peut-être des eaux mouvantes. Dans... Bah, logiquement, il va s'enfoncer dedans. Alors, du coup, qu'est-ce que. Enfin, voilà, donc t'es plongé, on va dire, entièrement dans l'eau. Tu n'as pas pied, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais?
Oui. Alors, j'ai une vitesse de nage, par contre. Hein, voilà. Alors, c'est... que je sais nager. C'est pas... Enfin, c'est pas énorme, ouais. Hein. C'est pas une... On va dire, c'est pas... En tout cas, en diamètre, c'est pas très grand. Ça fait, voilà, 4m50 de diamètre. Bah, limite, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre un caillou, enfin... une branche, n'importe quoi. Je vais balancer le sang lumière dessus et je vais le lâcher à côté de lui pour voir si ça me permettrait de voir le fond. Ouais. L'eau dégueulasse, je suis pas sûr quoi ça va être super, super ouais. Visible. Mais au moins, on verra peut-être la. Fais gaffe que ça ne tombe pas sur la tête. Voilà. Parce que. Voilà, C'était pour t'aider. Voilà, ouais, j'ai pris mon caillou, ma branche, mon truc. Ouais. Pas une branche, parce qu'une branche ça flotte. Ah oui, bon, bah un caillou. Oui, effectivement, c'est pas faux. Ah, bah le faux, il est pas loin. on a tellement des génies ce soir. Je suis sûr que Riser se tenait pas à faire celle-là. C'est bon, c'est prêt? Tu l'as... Donc, t'envoies le caillou, plouf, dans l'eau, vous voyez la lumière, et au fur et à mesure, ben, vous la voyez de moins en moins, et... Ah ouais, donc ça doit dépasser facilement les 6 mètres, ouais. Au moins les 3 mètres, je dirais. Ben, je vais nager jusqu'à ce que la corde soit tendue, déjà, genre en mode tout. Et si je fais lumière sur la corde, en profondeur, tu veux dire oui, estimé, oui. Ok, donc tu pars direct tout droit pour voir la profondeur. C'est ça. Ok. Juste pour être sûr, je veux pas qu'on te fasse lumière dessus pour voir, pour qu'on essaie de voir à peu près où tu es. Pardon. Je voulais juste faire lumière sur ton vêtement, hein, histoire de qu'on puisse te suivre du roi Maroc. Ah d'accord, bah je vais, je sais pas, bah lancer mon bouclier puis que tu me le ramènes ou ma... Non, peut-être que j'ai posé mes boucliers, mes armes en bas, non? Ah bah le bouclier, je pense qu'il va un peu flotter, ça fait un an qu'il y a des renforts. Voilà. Ça te fait du bon. Qu'est-ce que... Parce que j'ai pas de vêtements, hein. Ah bah au pire la corde. Oui, voilà. Attends, si, on n'avait pas décidé sur Discord que t'avais un harnais façon musclor? Oui, c'est vrai. Porter du truc. On va couper la part en deux, je vais, vu que c'est gratuit, faire lumière sur son harnais et sur la corde. On va le suivre, on va essayer de le suivre le plus possible. Ok. Tu vas être une fashion victime là, T-Rex. Hein. Tu brilles, tu brilles. Ouais, tu es brillant. Et donc tu plonges au maximum de la corde, tu vois que tu sens que t'es presque au fond, parce que tu vois le fond de la cuve fait un arc de cercle. T'es pas tout à fait, il te manque sûrement peut-être un mètre ou deux de corde pour toucher le fond. Dans un sens, ouais, enfin j'ai vision nocturne, mais c'est la crasse qui m'empêche de voir. Ouais, tout à fait. Tu vois quasiment à quelques centimètres de toi, quoi, tu vois. C'est vraiment très trouble. Alors, je vais prendre le temps de remonter et puis dire à mes amis, à mes amis. Tes compagnons au moins. Hein. Oui, je suis à un mètre du fond, mais je vois rien de toute façon. Bah, tu veux qu'on accroche une seconde corde à la première? J'osse les épaules. Bah, est-ce que tu veux racler le fond pour voir si c'est une cuve, si c'est il y a un fond, peut-être qu'il y aurait quelque chose, un crâne, des objets. Allez, peut-être des objets. Ouais. Bah, les bijoux, l'or. Au moins les ennemis l'auront pas. Ouais, parce que c'est pas qu'on a pas de thunes. Je pensais plutôt à un lancement, histoire si quelqu'un s'est suicidé dans la flotte, peut-être un indice. Mais bon, oui, c'est vrai que les bijoux, ça va aussi. Hein. Okay, ben je... Vous avez vraiment pas d'autres idées? Non. Peut-être une corne d'abondance. En fait, je pensais plus au fait qu'il y ait peut-être quelque chose. Bizarrement, tu vois, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai l'impression que les PGU adorent cacher des trucs dans les fonds des puits et des citernes. Tu sais, des passages secrets. J'avais une de mes patientes.
dont qui était effectivement juive et dont les parents en fait fuyaient les nazis. Sa maman, elle avait mis tous les bijoux dans les chiottes, justement, comme ça au moins les nazis l'auront pas. Hein. Bon bah voilà. Alors du coup, je prends ma corde, je mets aussi lumière dessus, je vais faire un beau nœud avec la première corde et on va descendre, on va permettre à... Allez, et ben, un T-Rex d'aller plus loin. Voilà, pour faire plaisir et donc, à mes camarades. Et essaie de tâter le fond, voir s'il n'y aurait pas un passage, un trou. Okay, okay. Non mais fais ça, comme ça on oubliera que t'as pris marais. Promis. Arrête. En plus, au niveau 6, je vais pouvoir choisir un autre truc. Ah, j'espère que tu vas bien choisir. Je sais pas. Ah, ça dépend. Est-ce que Rizer considère que forêt, c'est jungle aussi? Parce que ça, il n'y a pas jungle. Non. Je vais prendre désert. Ouais. Bref, donc oui, bah, écoute, je vais passer mon temps 15 minutes par 15 minutes à racler. Tu fais des paliers? Non, en fait, j'ai 15 minutes d'autonomie sous l'eau, enfin, je sais pas comment on dit, d'apnée. Ouais. Ouais, donc en fait, toutes les 10-12 minutes, il fait tung 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 sur la corde et on le remonte, quoi. On se laisse quelques minutes de marge au cas où l'eau soit suffisamment dégueulasse pour le bloquer. Oui, voilà. Non, mais c'est fini. Alors, tiens, tu vas pouvoir me faire un test de dextérité, s'il te plaît. Dextérité? Ouais. Test de dextérité, pas sauvegarde, on est d'accord. Non, pas sauvegarde, non. Ouais, mais imagine, il y a un mort-vivant là-dedans qui lui attrape les jambes. Mais c'est quoi? Il est buggé, ce jeu. Il est pas buggé. Mais non, il est pas buggé. C'est moi qui le hack, c'est pas pareil. Alors, c'est différent. Alors, tu vas, tu plonges directement, tu commences à tâtonner voilà, pendant les 10 premières minutes. Le fond de la citerne, et à un moment donné, tu sens comme une ouverture, un étroit tunnel. Est-ce que tu t'enfonces dedans? T'as la place pour rentrer. Oh oui, ok. Bah, écoute, comme d'habitude, je vais remonter, leur expliquer, avoir leur avis. Moi, je pense pour explorer. T-Rex, on va rattacher plusieurs cordes l'une à l'autre, au cas où on te tire. Oui, après, je suis habitué à me déplacer dans l'eau. Maintenant, imagine, je pense... il y a un effet de succion dans le tuyau. Mon cher Azumi, vos familiers que vous pouvez invoquer, ils auraient, l'un d'entre eux aurait une forme amphibie. Bonne question, c'est ce que j'étais en train de regarder. Donc ça, on pourrait... Alors amphibie, non. Aquatique, oui. De nage. Aquatique, oui. Eh ben voilà. Ah si, je peux faire une grenouille, autant pour moi. Voilà, comme ça on pourra avoir une, entre guillemets, au moins savoir un petit peu ce qui se passe sur les 30 premiers mètres. Vous avez quand même conscience que c'est trop lente d'avoir une grenouille comme famille. Mais oh, wow. c'est pour accompagner T-Rex. Ron Weasley. Non, c'est temporaire. Non, mais ce qui est bien avec une grenouille, c'est que tu peux donner des irritations aux gens. Ça, c'est bien. Ah, ça dépend, ouais. Et en plus, si elle est bien colorée, ouais. Ça peut être dangereux. Exactement. Mais donc, puisque tout le monde a l'air de pencher pour, j'attends l'invocation de la grenouille et je me dirige vers le trou. Tu la manges pas, moi, hein. Je veux bien invoquer la grenouille, mais il y en a pour une petite heure. Hein, donc. Bon, bah, c'est pas grave, on va casser la grenouille. On n'est pas payé à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. On peut fouiller les environs en attendant. Il y a bien les environs pendant une heure. Ouais. On n'est plus à 80 jours près. C'est ça, quoi. Bon, on n'est plus à une heure près. Ouais. On a déjà bouffé deux mois. Bon, les gens sont maudits. Une heure de plus, une heure de moins. Bon, bah, du coup, je prends une heure. Je prends une heure pour invoquer un crapaud. Mais pas le petit crapaud gentil mignon, le gros crapaud boursouflé là, tu sais. Ouais, bien dégueulasse et avec des chichus là. Comme la femelle qui porte les petits sur le dos là. Quand il se pointe, quand il se coince dans la porte de ta maison, t'as le temps de frapper la porte plusieurs fois avant de te rendre compte qu'il y a un truc dedans. C'est fou, on dirait du vécu. C'est totalement du vécu. Je n'ai jamais tué aucun crapaud comme ça, mais ça m'a fait plusieurs fois de la blague. Hein, quand
avoir la porte qui me revient dans la gueule pour essayer de la fermer et pas comprendre pourquoi elle ferme pas. Voilà. Là, t'as le crapaud qui se tend vers toi, fait. Crapaud 1, moi, j'ai cru que tu l'avais écrasé, en fait. Que, en fait, tu répandais le... ses spores. Enfin, bref. Ouais, moi aussi. Tu vois, j'ai comme une quoi, question, mon cher MJ. Oui. Pendant cette heure d'invocation, est-ce qu'on peut prendre ça comme un repos court de façon à ce que je fabrique une javeline qui pourrait me servir comme une lance ou non? Oui. Un harpon. Bah, un repos court. Tu vas prendre le terme. Ouais. C'est vrai qu'on vient. On vient une petite ventouse. On vient de se taper un petit peu une montée et l'escalade. C'est vrai qu'un petit repos court, ça nous fera pas de mal. Un petit repos court, ouais. Sans problème. Ouais, casser une graine. Ouais, fouiller les ruines. Casser une graine. Contre... Tu veux faire manger des baies. Bah oui. Hop. Est-ce qu'il y a-t-il moyen que je partage mon... Non. Parce que mon truc d'artisan racial, là, en fait, si je réussis à retrouver des bouts de... Comment dire d'animal, de dragon, enfin de... Voilà. Des bouts d'animaux, oui, si tu veux. Et je peux fabriquer une lance javeline. Est-ce que par je exemple, peux trouver avec ce genre un singe guidel. Non, oui, mais non, mais faudrait le chasser, ça prend plus de temps. Bah, un petit éclair guidé et hop. Après, si quelqu'un a une javeline, ça m'arrange aussi. Quoi. J'en ai. Merci. Puis-je t'emprunter une javeline, s'il te plaît? Oui. Merci. J'en ai combien? Je vais te dire ça. J'en ai 5. Et depuis, on n'a toujours pas eu de singe qui est revenu vers nous pendant qu'on mangeait et tout ça? Non. Ok, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Donc ça fait 1 des 6 piercing damage. Ça peut se lancer. Voilà. Ok, d'accord, merci. Je suis trop con, j'aurais dû faire suggestion en fait. Fais gaffe. À la grenouille. Je suis pas non, sûr au que singe. Ça fonctionne sur les animaux parce qu'il faut que c'est un minimum d'intelligence, certains sorts, pour que ça fonctionne. Bah, c'est un singe. Bah oui, justement, c'est un animal. Attends, je te dis ça tout de suite. Mais ils disent une créature. Ah oui, ça, ils ont peut-être changé ça en fait. Oh là, chiant. Oh là là, c'était mieux 3 points. Non. Mais si. Non. Non, non, tu peux suggérer un cheval, donc non, y a pas de souci. Ok. Ah, un cheval. Ouais. Ah, mais c'est tellement plus simple que. Bah, le cheval. Bah, oui, ça, je vois déjà des applications. Ouais. Bah, ouais, j'aurais pu avoir plein d'enfants gobelins qui me suivent et tout, qui portent mes affaires, qui me frottent le dos, qui me font des. À ce niveau-là, c'est plus mission ou quête, hein, c'est pas suggestion. Continuellement la suggestion. Y a pas syndrome de Stockholm? Ah, ça serait chouette ça. Ok. On se crapaud, il vient. Quoi, vous avez rien branlé pendant une heure? Bah, bien entendu. Moi, je me repose en fouillant. Au moins 3 fois. Pas du... Je fouille les crânes, on sait jamais. Bah, est-ce que tu fouilles autour? Enfin, tu vois, c'est vraiment les ruines, il reste pas grand chose. Bah oui. Enfin, pas grand chose d'intéressant. Des ruines. Ruines. Des fois, sous les cailloux, tu peux trouver une petite pièce, hein. Oh, oui, mais c'est... non, mais elle va finir par développer un décrochu. Hein. Si ça se trouve, ici, c'est un puits et les gens jetaient des pièces pour faire des souhaits, hein, c'est normal. Hein. Mais ouais, putain, mais j'ai pas pensé. Franchement, oh non, mais que viens-tu de faire, malheureux? Vous avez pas venu à l'esprit que c'était peut-être des latrines, tout simplement, non? Oh. Un truc aussi pratique. C'est fou. Ah, c'est ça, cette odeur, en fait, de T-Rex. En fait, on voyage tellement dans la jungle qu'on fait plus attention. Oui, c'est ça. Voilà. Et déjà qu'on se lave plus. Bien. Bon, bah, j'ai quoi? J'ai pas un quart d'heure, j'ai 7 minutes pour d'exploration, quoi. Mmh. Ouais. Après, j'envoie le crapaud sur les épaules de T-Rex. Faire un jet d'endurance. Après, je crois que je peux aussi retenir mon souffle. Ah non, moi c'est remplacé par mes 15 minutes. Oui, pardon. Ouais. Donc, tu redescends au fond de l'eau, tu retrouves assez rapidement l'ouverture que tu avais trouvée. Et tu t'enfonces dans ce tunnel qui est long d'environ 3 mètres.
et qui te mène à une pièce aussi complètement inondée, dans laquelle en fait tu trouves un gros sac en peau. Oh, je le savais, il y avait des cadeaux. En peau humaine. En peau humaine, exactement. Oh, c'est vrai. En peau humaine, ouais, qui est fermée. Comment sûr, il sait que c'est de la peau humaine hein. Oh, laisse-le découvrir. Laisse-le découvrir son sac, oh là là. Il connaît en peau. Donc, est-ce que tu l'ouvres dans l'eau et tu quand même tu le tires, tu le ramènes à la surface avant. Est-ce qu'il passe par le tuyau? Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a des mecs morts fermés, hein. Il y avait que ça. Est-ce qu'il est accroché à quelque chose? Non, 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 il est accroché à rien du tout. Est-ce qu'il est genre... Est-ce qu'il a l'air de boucher quelque chose? Est-ce que le... Non, 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 rien du tout. Bon, ben, je remonte avec. Ouais, ok. Non, mais c'était simple. Il y avait des cadavres partout, tout autour de ce trou, donc. Cadavre en peau, enfin, un sac en peau, forcément. Enfin, oui, moi, ça me choque pas plus que ça, personnellement. Mais moi, ce qui me choque, c'est que de la peau, comment elle a fait pour tenir dans la flotte? Normalement, ça aurait dû s'effilocher. C'était peut-être pas dans la flotte elle-même, hein. Il y a peut-être un trou d'air. Ou alors, peut-être que c'est magique. Peut-être qu'elle est tannée. Oui, voilà. Même voilà. Tannée ou pas, le cuir... On n'a pas dit que c'était les latrines? Je sais plus. Ah, c'est peut-être un sac de merde. Il est toujours au fond de l'eau, là? Mais il remonte, et il remonte toujours. Et que dans ce monde magique, la, la peau tannée, elle tire même sous l'eau. Oh là là. On va voir. Et donc, je remonte. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux avaler le crapaud? Il faut demander à son propriétaire. Mais tu peux, oui. J'avale le mec. Allez, oh. J'arrive. Oui, mais aussi, il fallait pas le mettre sur mon épaule, j'avais faim. Moi. Donc, bah, Zoumi, tu vois l'intérieur de T-Rex. Mais attends, tu l'as avalé sous l'eau? Que je mets dans le cul, en fait. Mais j'ai l'habitude, vous en faites pas, je peux manger sous l'eau, je peux manger dans oui, l'air. Oui, mais dans l'eau sale dégueulasse, dans les latrines. Mais non, mais... Ah, c'est pareil. Il fait pas de bisous, c'est tout. Il m'a franchi. Est-ce qu'il est au courant que je peux faire exploser mon famille à distance? Donc, eh ben, je remonte. Tu as une bombe dans ton estomac. Ok, tu remontes. Ah, les autres, vous voyez que c'est un petit peu plus lourd hein, pour tirer T-Rex, du coup. Ah, vraiment bon, beaucoup ouais, plus lourd. Qu'est-ce qu'il a mangé? Quand ouais, il sort de l'eau, finalement, c'est vraiment lourd. Hein. Alors, oh oui. Dans un sens, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose. Oh, ouais. Ouais. Oh, ouais. Argent. Ah, alors, argent. Vous le voyez ressortir avec un énorme sac cousu en fait, avec différentes pièces de peau humaine. J'espère qu'il y aura alors, un cadavre dedans. J'aurais une question. Oui. Est-ce qu'on voit des visages? Non. Merde. Senti venir. C'est pas des... C'est pas... On voit c'est des pas fesses. Des possiblement, oui. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac? Je recule quand même un peu. Hein, ouais, moi aussi, je me tiens prête à balancer une petite boule de feu. En je suis tenté de faire une alors, petite détection du mal. Je sais pas ce qu'il y a dans le sac, mais je suppute que boule de feu sur un truc qui contient peut-être du gaz, c'est pas forcément. Ah oui, t'as raison. Allez, un petit rayon glacé alors. J'ai un petit doute sur le fait d'utiliser un petit détection du mal là quand même. C'est un truc en peau humaine. Rayon de givre. Alors que tout le monde est prêt et armé autour de T-Rex. On fait confiance, hein. Pas de problème, vas-y. Dans le sac. Eh bien, j'ouvre et le sac devant toi. Tu ouvres le sac et à l'intérieur, tu vois en premier lieu un parchemin avec à côté 6 pierres en onyx. Oh. Trésor. Tout ça posé sur une dizaine de lingots d'amadon. Ah, pardon. D'amadon. Ouais.
Du fric. Oui. Bon, ça paraît bon. Maléfique. Bon, on peut partir. Attends, mais il est super lourd le sac, en fait. Mais oui, oui, bah, c'est ce que je vous ai dit. Chier pour le remonter. C'est ce que je vous ai dit. Une fois qu'il était plus dans l'eau, il était beaucoup plus lourd, T-Rex. Et donc, ces lingots sont frappés d'une rune. Ah. Oh, il y a encore un chieur qui va nous dire que c'est à lui. Est-ce que je peux prendre le parchemin pour lire? Oui. C'est un parchemin de compréhension des langages. Oh, mais c'est pas possible! C'est un scroll of stupidity. Non, t'es sérieux? Oui, là, je suis sérieux. Hein. T'en aurais pas un parchemin de souhait aussitôt, quand même? Ouais, j'étais déjà prête, en fait, avec compréhension des langues ouvert et tout, là. Mais t'as pas besoin de... Tout ce qui est magique, c'est dans la langue de la magie. Hein. Mais oui, mais c'était peut-être pas un parchemin magique, c'était enfin, un parchemin de sort magique, c'était un parchemin... Qui raconte une histoire. Voilà. Ah, parce qu'il y a autre chose que des parchemins magiques. C'est peut-être un parchemin carambar. Un palimpseste de vérité. Je suis choqué. Bon, bref. Et bon, on va en chier pour marcher avec ses... Et alors, la rune, elle ressemble à quelque chose de particulier. Est-ce que ça ressemblerait à un... C'est plus un saut. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que j'allais dire ouais, ça, un saut de... C'est exactement la même rune sur, voilà, sur les dilingos. Azumi, c'est petit pierre... ouais, peut-être qu'il y a un petit tordu pour le racheter. Hein. Bah, du coup, je vais... Enfin, si on me permet, il me semblait que j'avais des parchemins. Est-ce que... Oui, ou pas. Mais... On est d'accord qu'on n'a toujours pas du tout avancé d'aucune façon que ce soit vis-à-vis de la malédiction. Non. On sait qu'il faut aller dans la ville d'Omo qui est au sud. Il y a des entreprises qui prennent du temps. Et là, on allait faire un double check en allant à l'ouest. Non, à l'est ou à l'ouest. Aller, chercher la. Ah, une seconde, j'ai des indices. Non, on sait qu'il y a... rumeur et autres conneries. Oui, mais on n'est pas sûr. Il faut qu'on aille... Là, on va vers l'ouest pour aller chercher la sage protectrice d'Orolunga pour avoir un double check du fait qu'on doit aller à Oumu. Donc si, on avance. Mais on pas a directement dans la bonne direction. Alors, je vous mets ça dans la fiche de groupe, ce que vous avez récupéré. Merci. Bon, je pense qu'on va répartir les trucs en plusieurs. Bon, je pense que celui qui portera le sac de peau, parce que ça le gêne pas trop, ça va être T-Rex. Ah, parce que, bon, mais les pierres en onyx, c'est simplement des pierres précieuses. C'est même pas des pierres avec des trucs écrits dessus ou quoi que ce soit. Non, c'est des pierres précieuses. C'est de l'argent. C'est 50 PO la pierre. Oh. D'accord. Bon, bah écoute, c'est toujours ça de prix. On a bien fait de balancer le lézard. Balingo. Ah, mais là, il va falloir qu'on répartisse le point. Hein. Il va se tuer s'il sera mais un dilingo d'un aventurier. Mais non. On devrait peut-être prendre une bestiole tout terrain quand même pour porter. Quoique non, c'était cher. Bah, le problème, c'est surtout que le seul truc qui pourrait éventuellement nous suivre, ça serait un bipède, et le bipède va pas forcément porter tant que ça. Écoutez, au prochain level, je pourrais invoquer une monture. Je pourrais faire un fidèle âne. Ah, mais oui, c'est vrai, trop bien. C'est vrai que... Et ouais, et je pourrais charger à dos d'âne, et ça... Pourquoi un âne, bordel? Ça a porté beaucoup de choses. Et pourquoi pas un cheval? Un cheval de guerre? Parce qu'on veut un truc pour transporter. Non, mais parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller toute la cité pour prendre toutes les thunes possibles. Je pense. Le Saint-Mulet. Bah oui, le Saint-Mulet. Parce que Saint-Anne, c'est de attention, la charge. La charge au dinosaure de 10 km/h. Qui passe par là et qui nous boulotte la nature. Non, puis après. Je refuse Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est là où je suis né. C'est le nom de l'hôpital. Le mulet magique. Et bon, après, je ratisse la jungle pour trouver tous les sangliers pour passer niveau 5. On fera ça. Bon, bah, on a du fric. C'est bien. Ouais, bah. Enfin... Cette halte n'a pas été inutile. Bah, hein. Alors, par contre, chose que l'on sait, je sais pas ce qu'il y a vécu ici, mais en tout cas, ils ont pris un malin plaisir à buter des humains et à faire des sacs de peau. Donc, attention. Alors, parce que bon. Quel est l'état de ce sac de peau? Est-ce que je pourrais, par exemple, le faire sécher, le plier et l'emporter? Oh, bah oui, c'est important de faire ça. Ouais.
Est-ce bah attends, il y a toujours des tordus prêts à acheter des conneries pareilles. Mais oui, non, mais d'accord, d'accord. Oui, c'est possible. Oui, oui. Enfin, ça ouais, pas en trop. Attendant, j'ai un... Oui, parce que j'avais un deuxième sac à dos. Après, ça sent pas... Oui, c'est pas... Bah, tu mets un sac dans je laverai à un moment. Oui, mais j'ai un sac vide, il me semble, sur moi. Ok. Ah non, j'avais viré son grand sac à dos. C'est moi qui l'ai. Ah quand oui, c'est vrai, c'est la lessive, filé. Tu nous le dis. De toute façon, je pue. MJ, vu que j'ai un outil, j'ai pas de parchemin, mais j'ai des outils de cartographe. Est-ce que je m'autoriserais à prendre un bout de parchemin juste pour essayer de reproduire la rune sur les lingots, sans montrer en plus simple que de sortir un lingot, quoi. Oui, oui. Ouais. Est-ce que vous reconnaissez ça? Oui, 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 c'est possible. Tu montres par exemple la rune au maître des connaissances en ville. C'est, je préfère montrer ça plutôt que le lingot directement. Ouais. Ou le sac de peau. Bonjour. Mais je sens la bite du genre c'est ça appartient à un putain de clan nain, ils vont nous faire chier si on leur file pas. Et ils vont nous refiler comme contre. Il paraîtrait que c'est pas attendez, est-ce que tu peux nous remettre la map s'il te plaît, Rigor, j'aimerais vérifier un truc. Ah oui. Non, je pense qu'on est suffisamment on n'est pas à côté de la si c'est ce que à quoi je pense, on est loin de la mine naine. On n'est pas loin, regarde. Bah, c'est une mine, mais c'est pas forcément la mine naine, hein, parce que c'était soit celle-là, soit... Ah, non, attends. C'est celle en bas à gauche. C'est... Ah oui, on est... Ouais, ça, pas... ça, ressemble pas beaucoup... ça ressemble pas énormément à un village nain, il me semble. Il y a du fric. Ouais, il y a aussi un dragon. Non, mais ça c'est rien, ça. De toute façon, on va continuer un peu vers l'ouest. Oui, alors, ouais, il y a deux points d'exclamation et de mémoire, c'était plus celui-là tout en bas, hein, la mine avec le dragon. C'est pas grave, c'est à côté. Bon, on ira voir. On ira voir. Bah, attends, bon. Non, alors on fait pas de détour pour le trésor, mais par contre, on va aller à la mine. On va... C'est vrai, t'as toujours raison, là. Ouais. Non, mais vous inquiétez pas. Mais non, mais en remontant, on va aller chercher ce compte trésor. Mais si on, tombe sur le... si on tombe par le fleuve, ça sera pas très loin, quoi. Mais oui, on va y arriver. On va y arriver. On a besoin d'argent. Faites des dons. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va peut-être explorer la cité. Bah, c'est fait, non ? On a trouvé le fric, c'est bon. Il y a peut-être du fric encore, je sais pas. Non, mais je croyais qu'on avait fait le tour, moi. Non, pas du tout. Attends, la cité, c'est pas juste un chiotte avec du fric à l'intérieur. Mais je croyais qu'on était déjà dans la grande place, moi. Bon, on a trouvé le trésor, on s'en fout du reste, hein, tu sais. Par contre, ce qu'on pourrait refaire, c'est refaire marcher le Chapaï derrière nous. Peut-être que ça nous amènerait à un autre endroit. Non, mais sérieux. C'est quoi ça le Chapaï? Ça pourrait être ça. C'est comme dans Stargate. Tu veux, c'est le portail. Ah oui, le portail, l'espèce de tablette. Voilà. Avec la boule rouge au milieu. Y a pas un cadran avec des trucs à tourner? Je demande au cas où. Non. Tant qu'il n'y a pas de larves qui essaient de nous rentrer dans le cerveau. C'est par bon. Contre, si tu revois non, un singe, je veux que tu me le dises. Hein. Ok, pas de problème. Oui, pas de soucis. Que vous me le disiez. Par contre, j'ai dit ça en déconnant, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin d'un point d'intérêt quand même. Hein. Ça et oui, valoir... on va tous les faire. Par contre, il y a un autre truc que je vois, c'est que au niveau du point le plus proche, il y a une rivière qui va jusque-là. Donc, c'est peut-être bien d'aller jusqu'au point du fleuve et de le suivre. Alors, moi, j'aurais une question pour les gens. Enfin, s'il y a des gens qui ont le courage de suivre YouTube jusqu'à cette session-là, on est level 4. Est-ce que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait du DD5 et je demande même à vous autres. Hein, là, désolé, petit aparté. Est-ce que on est censé déjà avoir des items magiques ou pas au level 4? C'est très rare avant le level 5-6. Hein. Ok, très bien. Dans DD5, il me semble que c'est beaucoup rare, plus rare. Court. C'est pour savoir où on en était. Voilà. En fait, les objets les plus courants, ils sont assez rares avant le niveau 5-6. Et après, il y a 5 paliers, plus ou moins. T'as 1 D'accord. à 5, 6 à 9. Non, mais c'était pour savoir si on était des grosses burnes et on n'avait rien trouvé. Après, c'est peut-être la campagne qui veut ça. Mais, attention, vous n'avez pas rien trouvé, vous avez quand même une jarre. Bah oui, on a une jarre qui fait du miel. Mais de manière générale, DD5 a été. Voilà, a c'est pas. De sorte c'était voilà. Il y a beaucoup moins d'objets magiques que dans les. C'est pour savoir où on en était niveau itemisation. Voilà, non, vous êtes. C'est parce qu'on n'a pas déjà 15 objets magiques, ça veut dire qu'on est des quiches. Hein.
On n'est plus dans 3.5 ou Pathfinder, hein. C'est pas. Ouais, c'est pas, voilà, c'est pas la fin du cycle. On peut dégueuler, des objets magiques. Après, par contre, faut quand même savoir qu'on passe notre temps à être dans la jungle et on n'a pas le terrain prédisposé jungle. Donc, en ce sens, on n'est quand même pas très doué, quand même. Mais ça n'a rien à voir avec les objets magiques. J'ai senti une petite pique là, je sais pas. C'était totalement gratuit. Non mais prochain je terrain. Je régurgite ta grenouille, voilà. Elle est à moitié digérée, tu vois. Super. Non mais par contre, il y a un navire bloqué dans un arbre. C'est typiquement le genre d'endroit où on pourrait trouver de la merde, hein. Enfin, de la merde. Pas... Un truc brillant. Il y en a juste à côté de la merde. Tu vois, il y a deux points d'intérêt. Explorons la cité. Oui, voilà. Pardon. Alors. On n'a rien foutu encore. C'est merveilleux. Donc, vous, suite à ça, vous continuez à explorer les ruines. Et vous arrivez non loin, en fait, de la seule structure encore intacte. Qui est une hutte isolée qui se trouve à peu près un millier de mètres au sud-ouest du portail où vous étiez, au bord d'un champ de rochers. La hutte est faite en chaume et en peau animale tendue sur la cage thoracique d'un immense reptile. Elle est entourée en fait de crânes d'animaux, de carillons, de totems en plumes et en carapaces suspendues qui cliquent dans le vent. Vous voyez un petit filet de fumée qui s'échappe de la hutte et vous voyez une créature se traîne lentement à l'intérieur de l'habitation, courbée comme un vieil animal. Vous vous rendez compte en fait qu'il s'agit d'une femme humaine qui a l'air incroyablement vieille. Elle semble déformée par l'arthrite et dont les yeux sont couverts d'un voile blanc de cataracte. Son visage au teint hâlé et son crâne chauve sont maquillés de traits d'argile jaune qui dessinent un crâne. Mais cette impression est peut-être seulement causée par la chair desséchée de son visage. Et donc elle sort de la hutte et vient dans votre direction en marchant lentement. Ok. Elle a pas l'air agressive. Non, non. Ok. Vas-y, je t'en prie. De premier abord, ça m'a l'air mort. Hein. Un truc comme ça. T'as pas le truc pour voir les auras là ? Je demande à Fubert. Pouvez-vous savoir quelle est la nature de cette personne ? Parce qu'après, moi je veux bien aller prendre le pouls, mais il faudrait aller la toucher. Donc... Ça va juste me dire si c'est un mort-vivant, un truc. Enfin, voilà, ça va me dire si c'est les méchants que on a vérifié la dernière fois. Donc elle s'approche de vous. Oh, des visiteurs. Bonjour, qu'est-ce que vous faites à Mbala? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un venir ici. Alors, elle vous observe. Hein, perso, bah, elle vous observe. Elle est... Nous cherchons la sage. Afin de profiter justement de son expérience et la de son savoir. La prophétesse Orolunga, pour être plus précise, qui Exactement. Est plus à l'ouest d'ici, d'après ce que nous en savons. Et du coup, je m'incline poliment et je donne un faux nom, parce que bien évidemment, quand les gens connaissent ton vrai nom, ils ont un pouvoir sur toi. Dis-le en vrai, dis-le, utilise des mots. Ah oui, pardon. Donc, je me nomme... C'est ça. Capucine.
Le truc. Je m'appelle. Attends. Comment je m'appelle déjà? Ah, vous êtes limité mentalement. Je comprends. Non, normalement, j'ai pas eu cette hésitation. Ouais. Oh. Vous cherchez la vipère d'Orolunga? La vipère, c'est pas forcément un terme très honorable. Oui. S'agit-il du naga? Non, c'est autre chose. Si, si. Mais oui, je la connais et je sais où se trouve Orolunga. Vous cherchez, vous la cherchez donc? Bien entendu, nous aimerions lever une malédiction. Très bien. Et vous pensez qu'elle pourra vous aider? Je pense que, quoi qu'il en soit, rencontrer une personne possédant un tel savoir, une telle sagesse, c'est déjà une récompense en soi. Je sais comment y aller à Orolunga, le plus rapidement depuis M'Bala. Et vous seriez prêt à nous renseigner? Effectivement, je pourrais, mais... Et sinon, mis à part cela, au cas où ça nous éviterait une étape, est-ce que vous auriez des informations sur la cité de Mou? C'est un peu la destination finale quand même? Bien entendu. Attendez, laissez-la finir. Je suis en train de dire flamme de flétée. Non, moi je suis en train de dire l'âme de Flégétos, du coup. Vous voyez, ma cité est en ruine. Tout ça à cause... de ces prédateurs volants qui vivent au sud d'ici. Dans leur grotte. Des singes ? Non, non, pas eux. Eux, ce sont... Il faut que j'ai pensé aux singes aussi. Eux, ce sont des brels. Et ce sont des animaux... très... très adorable. Oh. Non, je parle plutôt des... pterosauriens. C'est eux qui ont détruit toutes les personnes qui étaient ici au fur et à mesure des années. Ces... oiseaux... ces rapaces, ils les ont tous tués, tous les villageois qui étaient ici, un par un, année après année. J'ai pu heureusement y réchapper jusqu'à maintenant. Mais je vous demanderai juste ceci. Et je vous donnerai... l'itinéraire le plus rapide pour rejoindre Orolunga, si vous me débarrassez de leur nid. D'accord, mais je veux un singe en plus. Servez-vous. Eh ben, il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui voulait se... se défouler, non. Se dérouiller. J'allais dire se dérouiller, mais non plus. Je demande, je me rapproche de Fubert, je dis, est-ce qu'il y a moyen de savoir qui est-elle vraiment? Ça m'a pas l'air. C'est pas super discret. Et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, elle est sourde. Alors... ça fait une heure qu'on est là, elle nous a pas entendu. Je sais même plus c'est. Bon, tu veux pas le faire? Ah si, mais je vais pas faire ça juste devant elle. Je vais pisser, je reviens.
Au pire, tu vois, ça me gêne pas d'aller défoncer des dinos en revenant. Par contre, si j'ai un petit sort... Non, mais... Elle a l'air... Le fait qu'elle soit toute seule, encore vivante, au milieu d'un village ravagé, oui. Et qu'elle a l'air morte, tout simplement. Et visiblement... Enfin, depuis que tu m'as identifié une nana qui est une morte et qui fait sa vie ici, je suis prudent. Surtout que là, elle a l'air vraiment morte, pour le coup. Bon, allez. Moi, je trouve qu'elle a un pour lui faire plaisir, même si j'aurais préféré faire ça au retour de manière plus discrète, je commence à incanter. Donc, tu incantes devant elle. Mais je trouve que la dame, elle ressemble un peu à la chamane gobelin, quand même. Les mêmes oreilles. Peut-être un complot. C'est cela. On n'a pas un truc pour faire une... J'allais dire... faire semblant d'aller de purifier de l'eau, une connerie de genre, mais non. Non, vas-y. Hein. De toute façon, si ça se trouve, elle a rien à se reprocher. Je pense pas qu'elle... Ouais. Donc tu commences à incanter devant elle. Oui, je fais la... Mais je ne me tourne pas forcément vers elle. Je veux pas donner l'impression que je vais lui balancer un éclair dans la gueule. D'accord. Ouais, tu fais discrètement un petit peu comme Hans, quoi. Tu te retournes et puis tu vas un peu plus loin. Pendant d'accord. Que tu discutes avec la. D'accord. Ok. Donc tu la joues quand même. Tu la joues quand même discret, quoi. Ok. Je vais un peu plus loin. Je fais genre, je me mets au bord de l'eau. Genre, tu observes. Ouais. Genre, bah non, bah genre, je vais purifier de l'eau. Bah même si ça servira à rien. Ouais, on va faire un minimum semblant de faire d'être discret, quoi. Et moi, je lui demande depuis combien de temps... Enfin, excusez-moi. Je... Elle est morte. Non. Non. Non, mais... depuis combien de temps êtes-vous seul? Est-ce que vous avez encore une notion du temps? Difficile. Je ne peux vous dire des... années. Vous connaissez maintenant. La date d'aujourd'hui? Non, aucune idée. Combien j'ai de doigts? 100, moins 7, moins 7, moins 7. Vous voyez qu'elle ne sait pas. Elle ne peut pas vous dire... Je ne sais pas quelle est la date actuelle. Bah, je la lui donne. Je sais pas... Nous sommes le 19 pluvieux. J'ai eu le temps de faire ma connerie. Oui, t'as eu le temps. Oui, pardon. Du coup, je reviens, vu que je les entends, je fais. Sinon, une fois qu'on aura détruit ce nid, vous allez rester ici ou vous comptez rejoindre, je sais pas, un village, un endroit avec un peu plus de vie? Non, ici, ça reste. Mbala reste ma ville. Et vous voudriez qu'on envoie des gens vers... vous aider à repeupler ce village, à le reconstruire? Bien, si des gens le veulent, bien sûr. Envoyez-les. Attends, ça reste un village, hein, surtout qu'il est bien hauteur. C'est ça, quoi. À part, évidemment, des prédateurs volants. Logiquement, ils étaient en sécurité. Justement, c'est la question. On va bientôt avoir la réponse. Alors, oui, donc je maintiens concentré mon sort, c'est la question. C'est bien ça. Donc, tu vois une aura, forcément, autour de cette personne. Et pour le coup, bien, ce n'est pas une aura noire comme tu as pu le voir. La dernière fois, mais une aura violette, celle plutôt qui te fait penser aux fées. Fées un peu comme les... J'allais dire, c'est vrai que il me semble que les elfes sont des héritiers des fées, mais j'ai un gros doute, je me demande si je me trompe pas d'univers. Pas une gueule d'elfe, hein. Une très vieille. Hein, mais non, la question c'est. Pour moi, dirais que ça a plus une gueule de fée qu'elle, quoi. Mais fée, c'est un sous-groupe racial. Hein. C'est que. La question, est-ce que ça serait vraiment parce que c'est une fée ou si ça pourrait être disons que ça pourrait être une héritière, bref. Du sang des fées.
Voilà, elle pourrait avoir. Est-ce que ça pourrait juste avoir du sang de fée ou c'est vraiment qu'elle est, elle est du sous-type fée elle-même? Ah bah ça, il faut lui demander. Ah oui, bah, je demande aux avis. Est-ce que moi je peux le savoir en fait? Non, tu peux pas le savoir. En fait, tout ce que tu vois en fait, c'est vraiment une aura. Enfin voilà, c'est pour toi, c'est une fée quoi. Donc j'avais raison, elle est pas humaine. Et quel est votre nom, noble dame? Tu vois qu'elle commence à... Elle réfléchit une petite seconde. Comme moi. Voilà, c'est ça, plus... exactement. Non. Hortensia. Elle te dit, tu vois... Oui, je me rappelle. Les villageois me surnommaient Mémé Poupou. Mémé Poupou, c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous faisiez justement? Quel était votre rôle dans ce village? Tu rajoutes ça dans les notes, s'il te plaît. Je... Oui. Bien, je m'occupais de mes enfants et de leurs enfants. Je préparais leur nourriture. Je leur écorchais la peau. Et... Est-ce que vous étiez une femme sage? Par là, je sous-entends en gros une personne qui peut assister dans tous les rôles de la maternité, des accouchements, mais aussi un petit côté chaman ou mystique, etc. quoi. Oui, on pourrait peut-être dire ça, oui. Bien évidemment, je ne sais pas qu'elle est une fée. Pour l'instant, on ne l'a pas dit, Fubert. Non, je ne sais pas. Je sais ça va. On peut... Alors depuis que je suis revenu et que je l'ai vu, j'ai un sourire un peu plus détendu. Je vous laisse discuter, mais voilà, je suis pas... Il a fait son pipi quoi. Non, je suis pas blême, pas blême livide comme là quand j'étais revenu voir d'une certaine personne. On devrait peut-être se faire un petit code justement. Elle te dit que oui, c'est sûrement ma sagesse et ma ruse qui m'ont permis de réchapper jusqu'à maintenant à ces prédateurs. D'ailleurs, en parlant de prédateurs, est-ce que vous pourriez nous indiquer où est plus précisément ce fameux nid, si vous le savez, et s'il y a un moyen particulier de l'atteindre? Nous ne volons pas, nous. Alors, elle vous indique, en fait, le passage à prendre dans les ruines vers le sud pour atteindre ce fameux nid. D'accord, donc il y a un passage, on va pas trop se perdre si on cherche. Non. Elle vous dit qu'en fait, le nid se trouve en bordure de la falaise, en fait. Qui donne, il y a un petit cours d'eau qui passe en contrebas. Mais Poupou, elle a vraiment un crâne autour du cou? Oui, c'est un crâne animal, ouais. Ah, animal. Un crâne de singe. Et Mémé Poupou, pourquoi est-ce qu'il y avait des crânes humains à l'entrée du village? Ce sont eux qui les ont mis là. Mais c'est une race intelligente alors, ce ne sont pas des animaux, on va dire. Non, ce sont pires que des animaux. Ils sont doués d'une intelligence. Et de plus, ils savent voler. Qui est problématique. On peut considérer que c'était une sorte d'avertissement ou... Ah, l'avertissement, il va loin à partir du moment où il tue tout le monde. Oui, nous sommes... Enfin, vous êtes maintenant sur leur territoire. De toute manière, à partir du moment où ils ont massacré tout un village, en tant que prêtre de Tempus, je ne peux pas laisser passer un tel crime. Et puis, on trouvera peut-être des œufs. Bon, bah écoutez,
Avez-vous d'autres choses à nous dire, mémé Poupou, des conseils? Est-ce qu'ils sont sensibles à un élément particulier? Non, pas de... vulnérabilité. Je n'ai pas de conseils à vous donner, juste peut-être de faire attention, ils sont quand même assez nombreux. Ouais. Quand vous voulez dire nombreux, vous envoyez pas à la mort. Non, bien entendu. Vous êtes pas, on n'est pas là pour les nourrir, bien entendu. Bien, vous m'avez l'air quand même suffisamment aguerri pour nous en sortir. Tout à fait. Parce que sinon, on reviendra de fort méchante humeur, quoi. Puis... Ou pas. Ce sont des êtres qui volent, intelligents, qui ont massacré un village. Vous croyez quoi? Qui vont venir dire « Oh, merci, venez, on vous montre notre coup, massacrez-nous !» Bien sûr qu'ils vont se défendre. C'est pas ma question, c'est que j'avais plutôt peur que madame nous envoie une mère certaine, qu'elle soit leur complice, quoi. Une embuscade. Ça va, madame? C'est l'allergie. Il y a beaucoup de pollen. Je suis allergique aux humains. D'accord, bon. Alors moi, je suis pas tant emballé que ça, parce que j'ai que sa version des faits, on sait pas. Donc, sa version des faits. Eh, hey, humour. Donc, c'est bizarre, et là, je sais pas. On s'est éloigné, on est d'accord. Non, moi personnellement, je parle tout haut. Hein, je dis, je sais pas. Je dis, on va voir ce que c'est. Bon. Moi, je lui demande, est-ce que vous nous tendez un piège? Non, mais. En fait, vous êtes trop con. Alors, il y a une morte qui m'a parlé de vous. Non, ce n'est pas un piège, juste un échange de bons procédés pour pouvoir enfin me libérer de leur présence. Et une dernière chose qui a été abordée rapidement, savez-vous qu'il y a une malédiction en cours sur le Schultz, et d'ailleurs sur le monde? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact. Vous êtes les personnes que je vois déjà depuis très très longtemps. Disons qu'il y a une malédiction contre nature, rompant le cycle naturel de la vie et de la mort. Au moment où je dis ça, il y a un regard intense, il va pouvoir s'il y a une réaction, parce que... Et de la mort. J'ai choisi, j'ai choisi mes mots. Bon. Il est toujours possible de contrer la mort. Ouais, ça se voit, elle l'a contré plusieurs fois. Mais en fait, on a pas un pote... Il avait contré la mort, mais en fait, il est remort parce que ça marche plus. Peut-être ne connaissez-vous pas les bons rituels. Parce que vous, oui. Peut-être. Ah. Du coup, ce que j'avais prévu de faire paraît tellement moins naturel. Parce que j'avais demandé si elle ne sentait pas trop mauvais. Oh putain. Le gars, il te rapproche. Tu vois, déjà, il y a le mec qui a les balances instants qui est revenu. Il y a l'autre qui lui dit est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'elle sent mauvais, la petite vieille? Putain, est-ce que tu vas sentir qu'elle sent mauvais avec. Par rapport à qui, non, du groupe? C'est non, surtout ça. T'as tiré, c'est à moins de 10 mètres de toi, c'est mort. T'as plus d'odorat. Hein. Il est dans la vase. Hein. Elle sent la vieille, quoi. Ouais, c'est pas... Un peu la sueur, voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, sincèrement, bon, ça va paraître un petit peu, comment dire, intéressé, mais ça ne l'était pas du tout. J'avais prévu de faire ça avant qu'elle parle de
habituel, mais ah, Nessuno, elle est un peu émue, la petite vieille toute seule, un peu Alzheimer. Donc, elle voulait juste. Elle est désorientée. Vous êtes désorientée. Son prénom. Toi non plus. Capucine. Von Bismarck. Bon. Bon, à moins que vous ayez d'autres questions à demander à cette dame, lui faire un hug quoi. Est-ce qu'on pourrait discuter de cet échange de bons procédés entre nous? Oui, bah, alors moi j'aurais juste une dernière chose à lui demander avant qu'on s'en aille. Il nous a parlé de moyens de vaincre la mort. Oui. Est-ce qu'elle pourrait, est-ce que là je lui demande, est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un peu plus, sans entrer en détail, si on revient et qu'on a fait ce qu'on a demandé, ce que vous nous avez demandé. Ça peut être intéressant. Si vous détruisez le nid, oui, bien sûr, je pourrais vous en dire plus. Bon, on sait jamais, je ne ferme, voilà. Bon. À mon avis, ça m'a l'air... Enfin, je lui dis, à mon avis, je ne sais pas comment vous procédez, ça m'a l'air particulier, mais bon, on ne sait jamais si on en a besoin un jour. Ça pourrait sauver des vies. Enfin. Ouais, enfin après, il faut voir. Il ressuscité comme ça. Enfin, hein, bah, bref. Bah, tu sais, certains, ils préféraient être ressuscités comme ça que bah que pas du tout. D'accord. Enfin, donc... ça, c'est un autre sujet. Nous avons besoin de nous réunir et discuter. Ouais. Du coup, si on ne la retrouve plus, moi, si mon apparence semi-démoniaque ne la repousse pas, je m'approche pour lui tapoter le dos et lui faire limite un œuf. Si elle pue pas trop. Non, désolé, je viens de dire le coup d'un vite. Oh putain. Tu vois qu'elle a un petit mouvement de recul quand tu t'approches. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois qu'elle se recule. Je tapote en disant pauvre mémé, je sais plus quoi. Là, on n'a pas élevé les mémé ensemble. Poupou. On n'a pas élevé les singes volants ensemble. Là. Mais non, mais les vieux, ils aiment ça, les contacts humains. Ah bah là, tout évident, c'est pas le cas. C'est pas de ma faute si j'ai une grosse. Comment dire, un gros appendice caudal et des cornes et. Haleine dessous. Allez, on y va. Je vais la traiter, on va aller un peu loin, on va discuter ensemble. Voilà. J'aurais rigolé si elle se serait pissée dessus. Oh, je me suis déjà demandé si elle s'était pas pissée dessus avant. Donc on va s'éloigner, on va discuter entre nous. Pardon. On revient, hein. Non, bah, au pire, soit on y va pas au nid, soit on y va. Donc bon. Oui, c'est ça. Bon, ouais, d'accord. Moi, je pense voilà. Que. Donc, on se réunit un peu plus loin. Et donc, ouais. Mon cher Hans, c'est la question. Non, ce n'est pas un mort-vivant, c'est une fée. D'accord. Alors, mais moi, j'en sais pas plus que ça. Hein. Et les fées sont immortelles? Les fées, alors. Vu que c'est quand même les royaumes oubliés, c'est suffisant magique. Est-ce que le fait que le principe de la sourasse entre guillemets fée, c'est si je leur parle de dryade, de fée, et trucs du genre, est-ce que ça peut être connu sans rentrer dans les détails, mais au moins qu'ils aient que ça leur dise quelque chose quoi. Plus ou moins, oui. Après, ouais, oui, bon, sans rentrer dans les détails, oui. Bah, sans rentrer dans les détails, Les fées sont des esprits ou des créatures plus généralement assez magiques. Ils ont tendance à être très proches de la nature et à la protéger. D'où le fait que j'ai un peu insisté sur le cycle naturel de la vie qui se faisait un petit peu casser par la malédiction. Mm-hmm. Mais ça ne fait pas d'elle une personne ni bonne ni mauvaise. Ça fait quelqu'un qui va s'occuper de ses affaires de son côté. Bah ouais. Et c'est pas elle qui disait qu'elle s'occupait des enfants? Ouais. Ouais, bah elle devait s'occuper de ce village. Elle a dû. Il me semble avoir, certaines histoires de. Certaines histoires de fées s'approchant de village, même si c'est assez rare. Oui. Et étant proche de certains habitants, ça me paraît pas très incohérent hein, comme. Quand même, dit comme ça. Ouais, moi aussi j'entends une histoire. On est au milieu de la jungle. Les gens d'ici sont assez proches de la nature. Ça me paraît logique son histoire. Ça serait intéressant de savoir si c'est une native du Schult.
dont les ancêtres sont issus du Schult, ou si c'est des colons installés là depuis quelques générations, à voir. Est-ce que les fées sont immortelles ? Une excellente question. J'ai déjà posé la question. Comment c'est, ça, c'est associé à quelle compétence pour savoir des trucs sur les fées ? Ce serait nature. Bah oui, c'est la, c'est typiquement des. C'est pas histoire nature, aussi. Mais... Faut demander au MJ là. Parce que ça, c'est aussi des, c'est aussi des êtres d'un plan extérieur, donc c'est à la fois nature et à la fois... Être arcane. Et même ta religion, quoi. Ça serait plus arcane, ouais, effectivement. Ouais, pour plus arcane, ouais. Pense ouais. Tout arcane... Moi, je peux aussi le faire, du coup, je vais tester, essayer de rassembler mes connaissances. Évalue la tétude d'avoir rappelé des choses à propos des sorts d'objets magiques, des symboles occultes, des traditions magiques, de plans d'existence. Oui, bah oui, les plans d'existence ou des habitants de ces plans, donc les fées, ça en fait partie. Moi, ça me dit rien. Elle est pas assez démoniaque pour moi. Une fée démoniaque, oui. Non, ça aurait été une succube, un démon, un archdémon. Ça aurait été plus intéressant déjà. Ça a été une succube ou un démon, donc c'est un peu dans la merde aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, bref, on fait ça. Alors, on fait ça. On fait ça. Maintenant qu'on a échangé, est-ce que vous souhaitez aller auxilier ce nid ? Je pense que déjà, on va les observer leur comportement. Et on va voir, ouais. Moi, j'ose les dire. J'ai du mal à imaginer des créatures intelligentes comme ça qui font des espèces de totems pour repousser. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais. Et fait ou pas. Et après, effectivement, si on peut converser avec eux et voir leur histoire. Mais bon, s'ils nous attaquent à vue, bon, voilà. Bah, on les tuera, oui, bah, moi, je les tue. Ouais. Alors, oui, voilà. Y a pas de problème. Pour que ça soit Azumi ou Nesunos. You don't know shit. Vous savez juste que ce sont des créatures donc magiques. Qui sont étroitement liés aux forces de la nature et qui généralement vivent dans des bosquets ou dans des forêts embrumées. D'accord. Voilà ce que vous savez. On va tout doucement se diriger vers le nid. Hein. Malheureusement, on n'a pas de longue vue. Mais on n'a pas mis le pied d'or non plus. Gna. Mais oui, mais il faut de l'argent. Il faut aller dans les chiottes, chercher des sacs de peau. Ok. Là, t'as bien on pris d'armure dans les chiottes. Hein. 10 lingots d'adamantium, qu'on les refonde pour les faire quelque chose avec ou qu'on les vende, je pense que ça sera pas mal. Hein. Ouais, on va devoir utiliser le pouvoir de Vokin, là, je pense. Ouais. Donc, tu me diras qu'est-ce qu'on foutrait avec une armure en adamantium. Bref. Une épée en adamantium, peut-être. Bon, c'est plus pour les armures, il me semble, mais bon, enfin. Alors, donc vous vous dirigez vers le sud du plateau, comme vous a indiqué Mémé Poupou. Et Mémé Poupou. Vous arrivez enfin proche de, bah, de la paroi qu'elle vous avait indiquée. Vous pouvez me faire un test de perception. Donc vous marchez en direction, vous essayez de chercher. Nope. Bon, c'est pas le moment. Il y a quelqu'un qui va se faire enlever devant nos yeux. Oh putain. Il y en a un, il a encore ses jets de chance. Hein, si... Ah ouais, vous pas. Ah. Il y a quelqu'un qui perceptionne ici. Heureusement, il y en a un qui fait attention. On est tous aveugles, apparemment. c'est un petit peu ça, ouais. Confiance aveugle. Alors, quand vous arrivez, en fait, vous êtes non loin du bord de la paroi. Vous entendez des petits claquements, en fait, non loin, en fait. Et Hans, tu baisses la tête au sol et tu vois qu'il y a au niveau du sol. Sol rocailleux, à peu près à une vingtaine de mètres du bord du plateau, vers le précipice, une ouverture qui plonge dans le sol. Il y a assez de place pour que vous puissiez passer, mais par contre pas plus d'une armure légère.
Ah. Mais on les entend pas piailler, parler ou quoi que ce soit, les bestioles. Vous entendez, mais c'est loin, tu sais, c'est comme un bruit qui résonne, de claquement. Donc d'accord. On est d'accord que j'ai trouvé un passage, en fait, c'est ça? Après, un passage, et donc ce passage, il nous mènerait... Alors, tu ne sais pas. Là, pour l'instant, tu vois rien à part un trou noir qui était caché. Qui est dans le sol, ouais. Il y a quelques feuillages, t'as vu ça, t'as une vingtaine de mètres du bord. Mais mes poupous vous a dit, vous a indiqué que l'entrée du nid était au niveau de la paroi. D'accord. Non. Ah ouais, non, mais si le nid il est à flanc de montagne, ça va être... Ça va être compliqué. J'ai repéré un passage ici, caché, et il a l'air d'être assez étroit. Après, je ne sais pas où il nous mène. Si vous voulez que j'en fasse sortir quelques-uns, je peux faire... Enfin, pas apparaître, mais en tout cas... apparaître du bruit à un endroit éloigné de nous-mêmes. Alors, après, si on les agresse, c'est sûr qu'ils vont nous sauter dessus. Hein. Oui, nous, on est cachés et qu'on fait du bruit loin, peut-être que ça va les attirer. On peut peut-être essayer de... Déjà, s'ils sont censés être intelligents, est-ce que joueurs de tour, s'il n'y aurait pas des gris-gris, des totems, des trucs qui montreraient que c'est leur territoire, l'équivalent du panneau accès des niettes, on ne sait pas. Sur le plateau en lui-même, il n'y a rien qui signale, quoi. Donc comment on procède? Avec T-Rex, on pourrait les souffler dans le passage que Hans a mis en évidence pour voir si ça nous rapproche du campement et si on y voit un petit peu plus clair sur une manœuvre à mettre en... Ça a l'air le tracé serré et apparemment je ne pourrais pas passer. Pas en portant notre armure. Moi je suis en écaille, quoi, donc si vous voulez que j'explore, j'explore. Oui, ou plus simplement pour l'écaille, c'est pas intermédiaire. Je pense qu'il est pareil qu'il est dans sa peau. Et au pire, on retire la cotte de maille, on passe par le passage, on la remet. Hein. Comme vous le souhaitez. Bah, je passe devant le temps qui se dessape. Non mais c'est bon. Enfin, calmons-nous. Par contre, au cas où, comme c'est des créatures volantes, je vais me préparer quand même une javeline dans ma main, si jamais. Ok. Ah oui, ah, je suis ton exemple. Mais ça, on t'en a donné une, donc... Oui, c'est pour ça. Moi, je prépare mon gant crépitant de magie. Un petit éclair, si j'ai jamais perdu. Du coup, juste une question. Oui. L'armure de mage? Ils disent que le sort prend fin si la cible enfile une armure, certes, mais en tout cas si vous prenez une action pour interrompre le sort, c'est-à-dire que volontairement on interrompt le sort ou c'est l'action qui interrompt? Tu parles de... Non, c'est toi qui choisis d'interrompre le sort. D'accord. Bah... Il est en quoi? Il est en une durée X heures ou il est en 8 durée... heures, 8 heures, c'est pour ça que je trouvais pas ça logique. Il y a écrit. Oui, c'est ce que je voulais faire. Est-ce qu'il y a écrit concentré? Non, c'est... Ouais, non, bah c'est toi qui choisis de dire ça. Je sors un petit morceau de cuir tanné et... Effectivement, je redouille quelques bons moments. Bon, alors, qu'est-ce qu'il voit, T-Rex? Il veut y aller. Alors, je me faufile derrière T-Rex. J'enlève un placement de sort. J'ai pas l'armure de mage parce que j'ai la grosse confiance. Je lance déjà un D20, du coup? Ah oui, elle a lancé un sort. Oui. Ah oui. C'est bon. Non, c'est un descend. Ouais. C'est quoi un descend? Alors, tu cliques droit sur le troisième dé à partir de la gauche et il y a un signe de pourcentage. Ah oui. Et voilà. Faire des choses indécentes. Bon, alors, c'est un 59. Tu veux que j'aille voir, MJ? Non, c'est bon. Trouvé. En fait, on aurait dû faire avec le tableau directement, ça aurait été plus simple. Tu récupères l'emplacement de sort le plus bas que tu as déjà dépensé. Ah bah c'est voilà, bien. C'est gratos. Je perds mon... Tu récupères l'emplacement de sort. Exactement, celui de... L'armure de mage. Voilà, exactement, tu le récupères. C'est plutôt cool finalement pour le moment. Ouais, oui, c'est nul, putain.
C'est vrai que même pas des trucs aux elfes. Ah, j'avais prévu une explosion et tout. Ça aurait été... C'est deux fois qu'elle est un truc, deux fois c'est cool quoi. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, nous, pendant qu'ils sont là, je vais. Enfin, pendant qu'ils vont là-dedans, je vais vraiment monter à la garde et faire vraiment attention à ce qui se passe avec ma javeline en main. Pareil avec mon maillet. Je fais signe à Azumi d'être discret. Enfin, je lui dis même, on va y aller discret. Comme des chasseurs. Attention, ça c'est mon cul. Ce qu'il dit. Désolé, je vais relever la tête. Tu non, aimes les. La queue. Ah non. Eh oui. Bah. Tu aimes les olives, T-Rex? Alors. Alors. Vous vous enfoncez en fait, vous vous enfoncez les deux dans. Dans l'espèce de boyau qui se trouve. Ah, la belle métaphore. Le monde ne suit pas. Et vous. Non, non. Et non, non. Mais il existe un peu d'intimité, quoi, merde. Et ben, discrètement. Et... Voilà, vous vous glissez et arrivez dans. Dans un petit tunnel et vous entendez des claquements et du coup un petit peu vous entendez que ça parle en fait mais difficile de dire c'est un peu trop loin. Puis oui, c'est ça parle mais avec des claquements et mais c'est un petit peu trop loin, ça résonne. Ah d'accord, c'est dommage, la seule personne capable de comprendre les autres langages, elle est restée en bas. Non. Je sais pas si ça marche sur les bêtes. Peut-être. Hein. C'est tous les langages, il me semble. Langage parlé. Ok. Ou écrit. Exactement. Je vais continuer voilà, en rampant, en me faisant le moins visible possible. Ok. Ouh, mais en fait, on voit quelque chose. Oui, c'est une faille ou c'est un tunnel, Ah, là, vous êtes en fait, vous êtes rentré dans la faille. En fait, ça fait un petit boyau qui descendait. Et là, vous êtes vraiment à l'intérieur de la montagne, dans un tunnel étroit. Vous voyez un petit peu de lumière au bout de du tunnel. Au bout du tunnel, ouais. Une lumière très très tamisée. Hein. la lumière du soleil qui vient face et qui tape en fait la paroi qui se trouve devant vous. Vous voyez que ça commence à faire un petit peu comme une salle et les claquements qui deviennent de plus en plus intenses. Vous les entendez de plus en plus, les deux. Est-ce que je peux tenter de les écouter mieux, de me concentrer sur mon audition? Ouais, tout à fait. Tu peux me faire un test de perception. Très bien, je suis sûr que tu quand même. Allez, Ted, tu vas réussir. Ouh. Oh. Alors. Tu entends quelqu'un. Tu entends quelqu'un dire que trois sont partis chasser et que toi tu dois aller sur les œufs pour les couver. Attends, il parle un langage compréhensible humain. Enfin humain. Commun. Commun. Commun, pardon. Ah ouais. C'est pratique ça quand même. Donc t'imagines, ils ont parlé aux animaux. Voilà. Donc y a un mec qui va partir couver et il y en a un autre qui s'en va. C'est ça? Oui, il y en a trois qui sont partis, ouais. Il a dit qu'il y en avait trois qui étaient partis et. Et ce que tu comprends d'un petit peu loin, c'est qu'il y en a un qui est parti couver. Et t'entends des bruits de pas dans la pièce, en fait, qui semble être tout proche de vous, en fait, vraiment au bout du tunnel. Là, t'es encore, si tu veux, dans un espèce d'angle, tu vois pas encore la salle.
Moi, j'essaie de reculer en poussant ouais. ce cher Zoumi, peut-être ouais. qu'il, parce que c'est peut-être la sortie, en effet. Ben, écoute, tu, ouais, tu recules en poussant un Zoumi. Du bout de la queue. Laquelle ? Je suis un lézard, j'ai un cloaque. Ah oh. Mais non, mais les lézards aussi ont des pénis. Hein. Pas moi. Quand t'es à poil, ça se prend dans les ronces et tout. Bref. Ok, donc vous reculez un petit peu pour pas vous mettre dans la... Voilà. Dans la pièce. Ok. Donc, ben du coup, on va... Hop. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je monte, hein. Je vais pas les laisser tout seul. Aucun moyen de communiquer à distance. Ouais, à moins qu'il nous... S'il nous avait laissé le familier, voilà, mais non. Alors là, bah, on monte la garde, on est dans un tunnel. On entend du bruit. On est en train de mourir dans notre souffrance. Ah là là, on souffre. Moi, je les rejoins. Tu les rejoins, tu descends. Ouais. Ok. Bon, Hans, on va les rejoindre du coup ou pas? Par contre, vous passez pas avec vos armures. Hein. C'est les armes, mais il faudra du coup au moins 5 bonnes minutes pour retirer les armures et, voilà, c'est ça. Et entrer. Et après, si on peut les remettre, il nous faudra au moins 5 bonnes minutes pour les remettre. Ou sinon, tu peux peut-être. Ah oui, c'est le chemin qui empêche l'armure aussi. Ah, vous avez pas fini de relever vos armures le temps qu'on fasse ça, en fait, c'est ça? Bah, déjà, vous rentrez et on garde la sortie. Et après, on commence à virer nos armures. Si vous étiez sorti au bout de 10 secondes en disant tu vois, on pourrait pas être en train de armures. C'est des malades! C'est des malades! C'est des malades! Allons-y, donc voilà. Alors, vous attendez un petit peu que. Moi, je vais me fondre avec le décor et profiter que je suis un lézard et un chasseur Gloomstalker pour devenir invisible dans le noir. Mmh. Bref, je me fais discret. Ok. Bah, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Tu veux t'avancer, c'est ça? Pour voir ce qu'il y a. Je veux avancer discrètement. Okay. Voir s'ils viennent bien vers nous et tout. Bah, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Non, mais il est... C'est... Putain, c'est... Si j'avais voulu que tu réussisses, j'aurais... Je sais. Et donc, tu t'avances? Pour oui, moi, en fait, j'ai décidé. J'ai plus m'avancer. Ça fait splatch. Oh non, pas un œuf. Non, pas un œuf. Une petite flaque d'eau. Ah. Oula, j'ai loupé un truc. J'ai raté. J'ai des frissons un peu foirés. Luca a écrasé un œuf. Oh, j'ai marché dans ta pisque. Alors. J'ai fait splatch. S'ils sont pas sur le même plan, je me suis planté. Alors attendez, je me suis juste planté pour Uka. Je vais devoir virer leur token. Ils sont pas sur vous êtes tous passés dans le trou? Ah oui. Ça, non, mais si dès qu'on dit un mot qui ressemble à un orifice, tout le monde s'éclate. Bah, alors, bien sûr. Moi, pendant qu'ils font ça, moi je t'ai demandé si on y allait aussi, et donc du coup il faudra qu'on vire nos armures, ce qui mettra 5 bonnes minutes. C'est ça. Et donc T-Rex a avancé. Il a essayé de faire ça discrètement. Et je plouf. Et splouche. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. C'est miaou. Ça marche souvent.
Et là, forcément, Squatch, des intrus. Non, il y a personne. Nous ne voulons aucun mal. Je ne sais pas si j'ai le droit de m'avancer, du coup. Non, bah là, déjà, ça va être init hein, pour... Est-ce que... Ah, une question. Ouais. En bas, on va considérer c'est caverne ou alors on voit l'extérieur de là où ils sont. Non, c'est caverne. Oh, fait chier. Là, vous les voyez. Alors, on va considérer que pendant que les autres, vous êtes descendu, mais donc vous n'avez pas vos armures. Hein. Ouais. Hans et Fubert. D'ailleurs, faut que j'aille là. Et... Un peu étroit là, quand même. Ouais, un peu serré, hein, quand même. Serré, hein. Ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps. Ah, et les autres, ils font du bruit, ils nous empêchent de prendre le temps de remettre nos armures. Voilà, là. C'est ça. Donc, T-Rex, ça fait du bruit. Vous entendez un croissement d'alerte intrus. Et donc, bien T-Rex, que fais-tu? Je charge. Tu vois qu'il se dresse devant toi. Il fait bien debout, quasiment 2m80, 3m. Hein. Ça va tout de suite, là, c'est bon. Parce que je fais qu'un mètre 90. Bref. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, quand même. Oh, clairement. N'est-ce pas? Bah, mort. Tu es différent de nous. Tu dois mourir. Est-ce qu'il comprend? Ben, je vais lui parler dans ma langue natale, le draconique, en lui. On m'envoie te tuer. Oh non. C'est clair? Ça valait le coup de parlementer, tiens. Je vais lui dire je vais te tuer. Non, on l'envoie le tuer, c'est différent. Moi, on m'a dit, j'ai rien contre toi. Toi, j'ai rien contre toi, et c'est ça. C'est... Non, mais ça veut aussi dire que c'est l'intention. Enfin, quelqu'un l'a envoyé, mais c'est pas. Mais non, mais c'est peut-être pas son intention à lui. En fait, il vaut mieux se dire que c'est pas notre intention à nous. Donc, bah, c'est T-Rex l'ennemi à abattre. Non. Vaut mieux se dire qu'on comprend rien à ce qu'il dit et qu'il agit. Non, ne l'humanisez pas, surtout pas, tuez-le. Donc, j'avance vers cette bestiole. Ouais, vas-y. Dans mon bouclier. Là, t'es entre deux cases. C'est ce que j'essaye de voir. Ouais, ouais, fait. Ouais, mais tu étais dans sa zone. Là, pour dire ouais, que je suis dans ouais, une case. Ouais, ça marche. Ok, et je vais. Bah écoute, je vais utiliser. Je vais l'attaquer. T'es sûr que tu peux lui parler? Non, bah je vais. Je vais l'attaquer. Ouais. Voilà, à un moment donné, il faut jouer roleplay. En tout cas, il a pas. Enfin, il t'a pas répondu ou il a pas l'air d'avoir compris ce que tu lui as dit. Là, tu entends dire que t'as encore des étrangers. Ah putain. Encore ces clodos. Peuvent pas rester chez eux. Ok, tu lui donnes un coup de marteau de guerre. Tu touches. Ouh. Et donc je suis et bah, je peux attaquer une deuxième fois, mais je peux aussi ouais, utiliser mon action bonus pour me donner un avantage. J'utilise ouais, Zephyr Strike. Ouais. Tu veux faire quoi? Tu vas le manger? Non. Alors, pourquoi je peux pas le lancer quand il y a un... Tu veux faire quoi? T'as pas lancé l'init? Ah, moi non plus d'ailleurs. Oui, vous pouvez lancer l'init. Voilà, pardon. J'utilise mon sort de Zephyr pour faire me rajouter un avantage et un débit de plus. Et j'utilise donc mon...
je m'attaque avec avantage. Le tuez pas. Trop tard. Ok, parfait. Ouais. La dernière fois, j'avais des petits trucs à cocher, mais je les trouve. Parce que là, j'ai 3 débits à lancer en fin de compte. Mais je trouve pas, je suis désolé. Attends, parce que t'es. Non. Ah, c'est revenu. Voilà, c'est bon. Ouais, t'étais pas en action, c'est pour ça. Dread en boucheur. Fear Strike et mes dégâts. Oh merde, vous allez le tuer avant que je. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais justement. Et voilà. Boum, voilà. Un coup dans l'aile, un coup dans l'autre. Et donc Azumi. Donc tu as vu T-Rex finalement foncer dans le tas quoi. Faire dans la dentelle quoi. Voilà, c'est ça. Du grand T-Rex. Ah mais attendez, je vais reculer, je peux reculer sans voilà. Oui, t'as déjà tué fait, la maman ouais. Oiseau. Pourquoi tu peux reculer? Il t'attaque pas. Mon sort me permet de reculer sans avoir d'attaque d'opportunité aussi. Donc voilà. Mais imagine le Pterodactyle, il a sentinelle. Je sais pas. Non. C'est vrai. Mais voilà. Donc tu te recules, forcément. Oui, oui. Mmh. Tu te recules en reculant. Tu vois l'autre passage en fait qui est devant toi en fait finalement. Une autre partie de la caverne qui se découvre à toi. C'est Vianney qui mange. Excusez-moi, j'en profite. En fait, tu vois qu'il y a d'autres potes qui sont juste derrière. Oh. Bon, si c'est des cadavres humains, on va arrêter les. C'est bien, tu t'es bien mis là. C'est parfait. c'est très bien. Donc Azumi, c'est à toi. Azumi, il hésite, mais en fait. En fait, faut y aller, monsieur. Il va falloir que j'y aille. Alors. Vous êtes là. Je vais faire ça. Que tu as un rôle de. Tu achèves les gens. Ah. Je pense que je vais claquer un point de chance. Ouais. Mais tu l'as touché là. Enfin, il a aussi. Non. Ah oui, non, quand il a. Si, il a raté son... Ouais, mais lui, il avait raté son attaque. Ah, d'accord, pardon. Bah, j'avais raté mon attaque, mais. Mais donc maintenant, j'ai réussi mon attaque avec le point de chance. Voilà. Ça va l'achever, mais. Oui, voilà. Ouais. J'ai pas besoin d'appliquer l'effet empoison. Hop. Toujours efficace. Et je vais rester là. Voilà, bien. Mais tu sais pas qu'il y a d'autres trucs là, espèce de. Non, et t'as. Non, mais je suis pas en roleplay. Non, mais je suis bien, voilà. Mais on peut passer, nous, si tu fais chier. Mais c'est pas. Putain, on va devoir se mettre. Oui, tu peux passer. Notre corps contre le tien, quoi. Putain, salopard. Les deux potes au milieu, ça compte comme deux cases à chaque fois pour passer à travers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Vous pouvez passer, hein, tu peux traverser, hein. C'est les pions adverses hein, que tu peux pas traverser. Oui, mais c'est pas, ça bouffe pas plus de mouvement Non, c'est 3.5. C'est encore 3.5. Ouais. Ou alors c'est peut-être aussi dans les options. Excusez-moi, je double, je vois Nessuno, pardon. Je double, pardon. Hop, excusez-moi. Je vais marcher sur le pied. Par contre, vous êtes bien à poil, les deux. Oui. C'est pour ça que je suis. Je laisse T-Rex, il est bien là. Très bon emplacement tactique. Donc ce que je vais faire. Oui. Attendez, je vérifie. Alors, attendez. C'est le mec qui sort son bouquin, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux te tenir prêt si tu veux. Est-ce que tu es consentante? Non, je sais que dit comme ça, ça fait. Ça peut être mal pris, mais. En fait, je regarde ce que je peux faire. Écoutez, je. Ah merde, je les vois pas. Il faut voir les gens.
D'ici tu le... je sais pas si tu, de là tu vois, c'est OMG de dire. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je peux... comment dire, délayer une action pour un moment précis. Ah, du sud, ouais, tu peux, tu vois quand même celui du fond, quoi. Au moins, ce, ouais. Ah, non, deux, non, non, les... c'est pas pour leur balancer des sorts, c'est pour. Non, non, je te dis, enfin, au niveau de la vue, tu vois en tout cas les. On va dire le, oui. Un petit bout du non. 4 et le 2, quoi. Alors, c'est pas ce que je demande. Ah, pardon. C'est pour en fait, si je voulais mettre bénédiction sur mes potes, mais je les vois pas encore. Ah, oui, oui, que, d'accord, là, oui, oui, pardon. Oui, oui, tu oui, vois oui, ce que oui, je veux oui, dire. Oui, oui. Ou alors. Ah. Ou alors je fais Bane. Je fais Fléau. Ah, bénédiction, faut vraiment que tu vois tes potes pour l'utiliser. Ouais, je crois que je vais faire Fléau. Jusqu'à. Alors, je vois combien de créatures là, tu me dis? Là, t'en vois deux. Tu vois la. J'en vois deux. Oui, parce que j'ai avancé de 6 cases, on est d'accord, hein, Maki. Maki, j'ai avancé de 6 cases. Ok. Oui, j'ai ça. Bah écoute, je vais faire Bane. Je vais essayer. Je vais essayer. Donc, jusqu'à 3 créatures de votre choix que vous pouvez voir et qui sont à portée doivent effectuer un jet de sauvegarde de charisme. Quand une cible qui a raté son jet de sauvegarde. Bah, cible-les et balance ça, je pense. Ouais, allez hop. Allez hop. Tu as moyen de les. Voilà, là j'ai target les deux, on est d'accord, MJ. Ouais, c'est ça, ouais, 4 et 2, ouais, c'est bon. Et je fais. Alors, je fais quel effet? C'est. Tu dois. J'ai un dé et un mec et un bonhomme. Le. Attends, d'abord le dé pour savoir s'ils réussissent ou non leur jet de. Voilà, donc il y en a un qui a raté, donc maintenant je peux faire le bonhomme. Ouais. Alors, il faut que je cible que ce, le. C'est le. Non, mais c'est bon, normalement, c'est, ça va se faire automatiquement, ouais. Ça va se faire automatiquement. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, j'incante une malédiction en saisissant mon amulette sur les ptérosauriens. Ptérosauriens, excusez-moi. Et j'ai fini mon tour, pardon. Ok. Donc, on peut enlever. Voilà. Du coup, c'est un Nessuno maintenant. D'accord. Et c'est celui qui a une arme qui a la malédiction. Un debuff. Très bien. En fait, il fait un, moins 1 des 4 à chaque fois qu'il va vouloir attaquer. Alors, est-ce que si je fais. Alors, je vais essayer de. Comment je peux. Souligner. Point. Voilà, drawing. Est-ce que je peux faire un carré comme ça pour toucher les 3? Est-ce que ça les touche? Je dirais que oui. Oui, à normalement, première vue. Oui, à première vue, oui, ça les touche. D'accord. Dans ce cas-là. N'oublie pas que tu peux dessiner, donc tu sais ce que tu dois faire aussi. Alors, je vais prendre déjà le pointeur de... je vais courir. Si tu cours... cours je... Ouais, je vais ouais. marcher très vite, je veux dire. Enfin, tu peux faire 6 cases. Tu peux faire 6 cases, ouais. En courant? Non, si non, tu cours, tu fais jusqu'à 12, mais tu peux pas faire d'action. Ouais, après tu peux d'accord. pas lancer ça. Je pense avoir fait plus... J'en ai fait plus, là? Non, non, t'avais 5 cases, mais c'est juste que te foutre devant, c'est pas forcément bien. Mets-toi à côté de moi, demoiselle. Je peux même te mettre plus bas pour pouvoir voir tout le monde aussi. Voilà. Ouais, là, tu peux encore une case. Je sais pas, pense... ouais, non, là, mais là, bah, je pense que mon sort n'est pas si éloigné que ça, donc je ne dois pas être. Évite juste. Oh, non, 15, 15, non, 15 pieds, c'est bon. Ouais, 15 pieds, ça fait combien? Ça fait 7 mètres. Ah, attends, bah, on le. Alors, 15 pieds. Ah, c'est en kick. Ouais, ouais. Donc là, on y est 15 pieds, c'est là. Ouais. 15 pieds, c'est là. Ah, faudrait que je me ravance, quoi. Mmh. Bah, rien à foutre. Je saute. Ouf. Ah oui. Ah mais non, j'ai... si, j'ai, attends, fait, j'ai fait plus de 6 cases, là, du coup. 3, 4. Ouais, t'as fait plus que de 6 cases. Et là, ça va être trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est bon, c'est lié à les 6 cases. Bon, bah tant pis pour ça, je reste là. 15 feet, mais t'en as 15, hein, t'en as pas 10. Hein. Là, le trait, il fait 10, hein. Ah pardon, attends-moi. Attends, attends, ah, attends. 10. Attends, non, c'est moi. 15, ouais. Hop. Voilà. 15, t'es... Bah écoute, c'est parfait. Je vous remercie de votre aide. Et je vais attaquer, du coup, ces 3 petits... T'es sûr que avec... tu vas être devant? Oui. Et donc, je fais appel à la force du tonnerre. Et je lance... je les ai tous ratés, en plus. Non, c'est eux qui ont raté. Donc, et je fais trembler le sol. Dans une caverne, c'est une merveilleuse idée. Mais ça, c'est un peu tard maintenant. Bien sûr. Et du coup, je fais des dégâts sur chacun.
C'est quand tu cliques sur le machin, il le fait tout seul ou... Oui, ça... D'accord, c'est cool ça. Voilà. Fin de campagne, vous êtes tous morts. Voilà, c'est nul. Alors, faut que tu m'expliques pourquoi tu t'es mis devant, mais bon, t'es... Bah, pour lancer son sort. Voilà. Pour que la distance, ouais. Et parce que de toute façon, j'ai armure de mage, je voulais tester. Ah bah oui. c'était quand même une question con, hein. Bien, armure de mage, je voulais tester. Ah oui. Oh oui. Bah j'espère qu'ils vont te rater, parce que... Vas-y, Schubert. Alors, 1, 2... Ça, bon, je suis conscient qu'il y a de la baston. Est-ce T'es conscient que les murs bougent, tremblent. Oui aussi. En fait, j'aurais dû prendre un œuf et les menacer de le casser. Ouais, c'est trop tard. Du coup, la question c'est, est-ce que je vois le... Vu que je suis conscient que bon, on leur tape sur la gueule, est-ce que le T-Rosorien 4, est-ce que je le vois? Je sais pas. Je suis pas sûr que tu le vois. Bon, on va faire ça. Je pense pas. Non, tu le vois pas. Ok. T'as peut-être le bout de mounure. Faudrait vraiment que tu sois à la place de Fubert. C'est lui le. On va dire, il est à la limite, lui, pour le voir. Hop. Donc, du coup, on va faire ça. C'est Hans. Pardon. Hop. Oui, Hans. Je vais donc convoquer la sainte épée de Tempus. Donc, une grosse épée avec le symbole Tempus sur la garde. Est-ce que tu pourrais me faire un petit pion? Je sais pas s'il y a un jeton là-dedans. Oui. Une épée qui vole, en gros. Bah voilà, une épée qui vole. Je dois l'avoir. Et c'est... Alors... Bon bah non. J'ai eu un mini chargement, je sais pas pourquoi. Voilà, la petite épée est là. Il voit à 12 cases, donc... Voilà. Je pense que tu peux le bouger. Vu qu'ils regardent tous dans cette direction, je considère que bon, dans cette direction, il doit y avoir quelque chose à taper. Donc voilà, hop, par là. Bon, je vais plus faire plus loin. Et donc là, avec mon action bonus, l'épée va aller taper le premier truc qui... voilà, mon ordre mental, c'est tape le premier truc que tu vois. Bah, donc du coup, ça te terrorise rien qu'à... Dire Nessuno, ok. par contre, arme spirituelle, attaque, cast melee... Ah, c'est bon, il doit prendre en compte direct mécanique, il est génial. Ouais. Ok, donc par contre, la question c'est... comment je fais pour le site? Une épée volante. Je clique sur le dé et que... Oui, ça le fait. C'est le numéro 4, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc si je fais... C'est pas une épée à deux mains, c'est pas une arme à deux mains, et puis de toute manière, voilà, quoi. Et raté. Bon, bah, voilà. Ouais. Au moins, j'ai essayé. Au moins, il y a quelque chose pour peut-être les distraire. Non, ouais, je n'utilise pas ma canalisation sur ça, faut pas déconner. Bon, bah, voilà, j'ai fait mon tour. Ok. Maintenant, là, les petits rosauriens. Alors... Vous êtes malade, vous rentrez chez nous, vous tuez notre femme. Putain. Putain de papillon meurt. Ah, évidemment, si je voulais optimiser, j'aurais pu invoquer une épée à deux mains. Et... Mais bon, non. Alors, par contre... Et voilà. Est-ce que l'épée fait des attaques d'opportunité? Là, typiquement, je dirais non, parce que c'est pas vraiment un net, c'est juste un truc une fois par tour balance une attaque. Non, parce qu'en plus, c'est à ton tour, je pense, hein, il me semble, non? Qui flotte dans l'air, dans la portée pour la durée sort, jusqu'à bien jouer sort nouveau. Lorsque vous lancez sort, vous pouvez faire une attaque au melee. Non, mais typiquement, je dirais non. Non. C'est juste, je balance une action bonus pour qu'elle bouge l'étape. Donc, ce n'est pas ça. Donc, d'instinct, je dirais non. C'est pas comme si j'avais invoqué un fantôme avec une épée ou un truc comme ça. Quoi. Alors, il a son debuff quand même, mais donc, il. Alors, un pterosaurien a 3 attaques. Et voilà. On va espérer que le moins D4 va servir. C'est le moment.
Donc il essaie déjà de mordre Nessuno. Critical. Wouhou. Marche ouais, bien. Ben... Oh, marche adieu Nessuno. Hein. Pas grave. Donc il te mord. Oh. En plus, il fait tes points de vie en négatif. Il t'instant kill en plus. Hein. Il te griffe. Est... Par contre, chose qui est intéressante, c'est qu'il a fait 20, mais il y avait quand même mon moins 1. Mais le 20 compte quand même, en fait. Bah, c'est un. C'est sur les. C'est une touche critique. Ouais, quand bon. Ah, oui, c'est vrai que. C'est, oui, c'est un 20 naturel. Oui, ouais. Ça touche tout le temps. Ouais, j'oublie. Puis bon, même avec le moins 1, ça fait 23. Hein, 23 bon, par contre, c'est quoi c'est mais moins 1 pas. Bah, donc, donc là, coup de griffe qui touche encore. Dying, voilà. Ouais. Voilà. C'est fait. J'ai un jet de sauvegarde normalement. Ça sera à ton tour. Ça sera à ton tour en fait qui passera le jet de sauvegarde. Ça, voilà. Ouais, pour quand t'as des delay, il faut pas avancer en fait. Même avec ouais. Et donc, claquant. Même temps, football, hein, le coup du critique. Même sans critique. Trois actions, il était par terre. Même s'il Donc, il croit un cri puissant au moment où il te griffe le dernier coup et que tu tombes au sol. bien, le troisième. Ah, ben là, il va avoir l'air d'un con. Hop, pardon. Quand même. Mais dis pas 3, qu'ils volent. 4... Ah, ils font comment pour sortir? Non mais genre, il y a de quoi. Elle est haute de combien de mètres la boîte? Non, il se met à côté de son pote. Ah. Mais voilà. Il fait rien d'autre. Quant à l'autre, le quatrième, ben il se. Alors, je sais pas, il y a pas de PV en fait, hein, je crois, sur. Ah non, c'est. Elle a pas de PV ni rien, on ouais, peut pas c'est ça. C'est ça. Elle est là pendant une minute, c'est ouais, pas une c'est minute, ça. Elle fait chier. C'est ça. Donc, en gros, voilà, il essaye de t'as frapper. Encore mieux qu'il crache en pied, est-ce qu'elle peut pas se faire des tops, hein. En gros, il se débat avec cette épée, l'autre. Ping, ting, ting. Il doit rien comprendre, le pauvre. Nouveau, on passe à T-Rex. On va peut-être devoir gérer la menace. Parce que bon, si on tombe derrière, on va pas pouvoir faire quelque chose. Ok, bah je vais, ouais. Et c'est dans ce genre de cas que je comprends à quoi sert l'un des sorts qui fait moins de soins, mais qu'il fait à distance. Alors, je vais me poser là. Je suis au contact 2 ou pas là, oui. Ouais, t'es au contact des deux, ouais. Non, je reviens vite, je vais juste aller aux toilettes. Je vais attaquer. Ouais, je vais tout de suite attaquer. Vas-y, je t'en prie. Ok, tu touches. Voilà, et bah, tiens, je vais utiliser mon action bonus pour en croquer un bout de ce monsieur. Ok, je t'en prie, vas-y, croque. Bien. Ça croustille. Voilà, et j'ai gagné 3 points de vie. Voilà. Alors forcément, vous entendez des claquements, des des bruits aigus et vous comprenez en fait entre ces claquements que certains disent on nous attaque et ça résonne dans la caverne. Allez, l'homme le plus classe du monde. L'homme le plus classe du monde, il va faire deux pas, un petit peu ennuyé, tu vois, je presque je baille. Mais où est la sortie? C'est ça, mais bon, enfin, je pose ma main sur l'épaule d'Hans. Je dis, ouais. Ah. Allez. Merci. Ah, c'est tout. Tu mets ma main sur l'épaule, genre. Ouais, une petite olive. Ouais, une petite olive. Alors, par contre, je sais pas si l'effet du sort a bien fonctionné parce qu'il y a écrit. Bah, moi, je vois un casque
sur mon truc. Donc, oui, oui, non, en fait, t'as un bonus d'AC de 3. Donc oui. Ça doit être ça normalement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, il l'a. C'est à de base. Bah, on voit Hans Gruber AC 3. Donc ça doit être un bonus. Il suffit qu'il regarde son AC. Je suis toujours assez à 10 dans mon truc de. Non, c'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. En fait, ça change pas. Bon, je piétine le cadavre. Voilà. Que bon, merde. Il la recouvre pour la protéger. Allez, ça va et je me dis ça apprendra à être. Hein. Bah, bref. Bon, qu'est-ce que je vais faire? T'avais pas un truc urgent dans les mains là? Si, mais en fait, je suis sur quelqu'un là déjà. Je réfléchis. Oh là là. J'apprécierais attends, que tu ne sois pas turgescent au-dessus de mon cadavre. C'est pour ça qu'il faut que je... Hein, enfin bref. Je vérifie. Je vérifie un truc. Vas-y. Je vais avec mon action bonus mettre marque du chasseur. Putain. Bon, cette map me casse les couilles. Allez, dégage. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc je targette lui. Il a 0 feat. Je lui mets marque du chasseur. Paf. Ouais. Maintenant, je vais taper. C'était une action bonus pour la marque oui, du oui, chasseur. Oui, ouais, tout à fait. Ah. Bon bah, voilà. Tu vas rater. Bon, bah écoutez, c'était bien. Après, t'as... Pourquoi, voilà, je vous le dis, vous avez des cas où, réussissez pas les. Non mais cette manière même avec des chances, c'est un automatic miss donc. Ah oui, pardon, oui, pardon, j'avais pas vu. Autant voilà. Pour moi. Donc c'était mon tour, c'est bien. Autant pour moi. Du coup, là ça. T'avais pas une action bonus pour mettre un coup de manche? Bah, non, il est parce utilisé que pour mettre la marque. Marque du chasseur. Ouais. D'accord. J'aurais dû te demander le 16 en fait. Parce que là, j'aurais pu lui mettre une méga tarte, mais c'est pas grave, trop tard. Ouais, surtout que moi, je vais pas avoir la place pour mettre ma méga tarte. Donc, je vais faire autre chose. Donc, Nessuno, elle va avoir son. Jet de sauvegarde. Jet de sauvegarde qui rate. Ah. Je peux le faire ou c'est. Non, non, c'est fait automatiquement. Ça se fait automatiquement, en fait. Donc d'accord. Rate. D'ailleurs, j'étais con, en fait, j'aurais dû mais rester une case en arrière, en fait. Alors. Non, avec... moi ça m'arrange que tu fasses ça en fait. D'accord. Dis-moi, mais non, simplement, j'ai déjà fait. Comment dire, mon avantage au G bonus. Je ne crois pas qu'on se soit reposé entre temps, donc je n'ai pas. En fait, à partir du moment. Alors, c'est particulier, c'est qu'à partir du moment où tu as fait ton éruption magique, ça, la, le truc revient. Après, c'est au MJ d'avoir le dernier mot, mais c'est comme ça que c'est écrit. Après, il peut, surtout qu'il y a des effets bénéfiques, il peut considérer que c'est un peu trop bon et l'invalider. Mais voilà, c'est à Razer de le dire. Alors, dans le texte. Hop, je te coupe. C'est Magie Sauvage Non, ouais. C'est Vague du Chaos, là, pour le coup. Vague du Chaos. Il est où d'ailleurs, Vague du Chaos? Marée du Chaos. Marée du Chaos, oui, tout à fait. Non, vous devez terminer un long coup avant de pouvoir non, vous insérer. Pas, non, mais c'est. Non. Ah. Donc, vous n'avez pas récupéré l'usage de cette capacité. Si vous lancez un sort dans ce sort niveau 1 ou plus, le MD peut vous demander de faire un jet de sursaut de magie sauvage. Quel que soit le résultat, vous récupérez ensuite cette capacité. Ouais, mais ils disent une fois que vous avez utilisé cette aptitude, vous devez terminer un long repos avant de pouvoir vous en servir. Ok. Ça, c'est sursaut de magie sauvage. Ça, c'est là ce que je te. Ce que non, c'est utilisé, Marée du Chaos que je lis. Attends, oui, parce que. Ah là, oui, on a attends, il y a Marée du Chaos et Vague de Chaos. Oui, non, en plus, c'est sursaut de magie sauvage, l'autre, c'est pas Marée du Chaos, donc je sais pas ce que c'est. Parce que je ne dis pas Vague du Chaos. C'est peut-être une traduction, ça, sur RDD. Oui, c'est, oui, c'est une traduction. C'est la traduction, pardon, ouais, effectivement. C'est la traduction qui est pas. Oui, parce qu'ils ils l'ont traduit avant qu'il y ait les entre guillemets termes officiels, peut-être. Ouais, normalement non. Enfin voilà. C'est. Y a pas de.
De toute manière, peu importe qu'elle ait réussi ou non, derrière, je vais la soigner. Enfin... Oui, oui. Donc, enfin, voilà, donc, la question se pose pas. Voilà, donc c'est pas comme si c'était... Donc MJ, je tire par les jambes. Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que je vais utiliser mon sort pour lancer un, je vais utiliser mon action pour lancer un sort. Hein. Ça, la question ne se pose pas, là c'est bon. Hop. Ouais. Est-ce qu'en gros avec son action bonus, il peut tirer son corps ? Voilà, est-ce que je peux, enfin, ou est-ce que après avoir fait mon action, je peux la tirer par les jambes, bon que ce soit une action bonus ou réaction ou ce que tu veux. Hein. Oui, tu peux le faire, ouais. Hop. Voilà, donc ça dépense mon action bonus, ça fait quoi ? Ou c'est en plus mon mouvement ? Je sais pas si on peut... Est-ce que ça peut être considéré comme une interaction ? C'est à toi de voir. En gros, c'est est-ce que je peux taper, je peux dire mon épée de taper derrière ou non, hein. C'est, voilà, ça, on en revient à cette question. Ouais, c'est ça. Oui, si, tu peux utiliser ton épée. Hop. Après. Allez. Donc déjà, on va faire la chose dans l'ordre. Non, c'est pas prière de soin, s'il te plaît. Enfin, excuse-moi, je bloque peut-être, je me mets là temporairement. Hop, voilà, donc là en principe, voilà, elle est plus inconsciente. Donc hop, je l'ai tiré en arrière d'une Merci. Case. Ah. Et donc, j'ai demandé à mon épée, bah, vu que je suis trop concentré sur Nessuno pour voir qu'il y en a un qui est blessé, bah, il va continuer de taper sur celui qui continue de taper. Hein, ouais. Aussi, voilà. Faut pas déconner non plus, je peux pas avoir des yeux partout. Mais si. C'était Arm Strike. Et c'est le 4, hein. Ouais. Moi j'aurais dit au moment où tu la soignes. Bon alors c'était comment l'armure de mage ? Plus jamais. Je vous laisse devant. C'est bon, ça a touché ? Oui. Oui, ça a touché, ouais. Et donc c'est 4. Ça tranche. Tiens. Bah au moins ça l'occupe. Voilà, c'est ça. Mécréant. Bon bah du coup le deuxième il a il vient en frenzy. Il a Hans devant lui donc il continue en premier ben à mort Hans. Waouh. Non mais recritique hein. Allez hein. Non mais c'est bien. Hein. Parler de l'armure en adamantium, mais le truc drôle c'est que l'armure en adamantium transforme les critiques en attaque normale. C'est terrible. Avec des jets pareils, je me demande si c'est pas rentable en fait. C'est bon, je suis toujours concentré. C'est toujours concentré malgré les morsures. Une morsure ah oui, avec les becs. Ah oui, c'est le DD à 8, putain, ouais, quand même. Yes, alors, mon moins 4. Voilà, ils réussissent. Sinon, ils m'auraient touché. Pardon, il rate sa première griffure. Toi, tu as réussi, du coup. Et la deuxième... Ouah, 19, quoi, la vache. Mais t'as fait quoi, Fantasy Hand, là ? C'est la mise à jour. Enfin, on l'attendait, cette mise à jour. Bon, c'est pas... Oh, merde, j'ai plus le... Ouais, t'es plus concentré. Et du coup, le 3 s'occupe de T-Rex, ben, la même en couleur. Bon, je vais me toucher après, hein, je vous préviens. Ben, moi aussi, j'ai touché. Morsure, il rate la morsure. La premier coup de griffe, il réussit. Sûr que tu veux te toucher ? Tu veux pas laisser Fubert te toucher ? Ah, bah écoutez, c'est plusieurs. Le deuxième coup de griffe rate. Tant qu'il évite que les gens derrière se prennent des coups, c'est toujours rentable. Lui hein. Se bat toujours. Avec son épée. Avec son épée. À la puissance de Tempus. Ou Tempus, je veux dire. Et voilà. Pour l'instant. Hop. T-Rex. Ouais, bah écoute, je vais moi aussi lancer mon super sort de marque du chasseur. On peut le mettre, il peut avoir deux sorts de marque du chasseur, ouais. Sur un mec. Mais il y a un effet personnel, la marque du chasseur. Oui, c'est ça, ouais. C'est personnel. Ouais. Faut voir avec le MJ. Je le dis, Oui, tu peux avoir sur le même mec. Non, même pas, parce que là tu vas mettre sur le 3 ou sur le 2 ? Oui, celui d'en bas sur le 3. Celui qui est déjà blessé.
Bah, c'est même pas celui qui était sublime, sans que c'est le 2 donc. Ouais, c'est le 2. Ouais. C'était le 2, mais de toute façon, il l'a plus. Il bouge pas, donc voilà. Mais en tout cas. C'est bon. Voilà, quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est Azumi. Oh, attendez, faut que je vérifie un truc là. Azumi, il va être obligé de se salir encore une fois. Il va donc lancer un rayon empoisonné avec un sort, avec un rang supérieur, donc en tant que sort de niveau 2. Mm-hmm. Sur le lui, le moche. Pas. Donc il crame un point de chance pour refaire la même. Vas-y. 12, ça passe, très bien. Ouais. Par contre, c'est toujours pareil. Par contre, il a réussi son jet. Ouais, il a réussi son jet, donc il sera pas empoisonné, c'est pas grave. Et comme je l'ai lancé avec un niveau de plus, d'où le D8. C'est toi D8. Oui, pardon, c'est toi le D8. C'est tout. Ok. Chose de plus. Encourager mes compagnons. Ça commence à être long. Ouais. Merci. Hein. Pardon. Putain, vous faites pas d'efforts, les mecs. Enculé. Alors. D'habitude, vous êtes plus court, les gars. C'est ça. Ouais, bon, bah, je vais attaquer. Les préliminaires sont longs. Hein, attends, Hans, avant d'attaquer, est-ce que tu veux mon 16? Ah. Enfin. Ah. Je veux dire que tu Veux utile. Est-ce que tu veux que les astres te soient propices? Je sais pas si je refais Marc du Chasseur pour le garder et le mettre sur les autres cibles et toujours avoir un D6 ou si je mets une grosse claque avec Châtiment Divin. Ouais, mais ouais, à la limite, mets ta grosse claque pour être sûr qu'il y en ait un qui est mort. Et en plus, maintenant, t'as le don qui fait que tu vas avoir une attaque gratuite en le tuant. Ouais, je vais faire ça. Bon, je veux bien le 16 alors. Non, je te donne le 16. Donc, bah, je lance les dégâts. Damage Hulbard, plus. Ah oui, bah, je vais voir si je fais le châtiment. Ouais, je vais faire le châtiment divin. Paf. Ah oui, mais c'est une action bonus, balancer une attaque gratuite en plus. Oui, mais j'ai pas. T'as pas utilisé la marque. Donc c'est bon. J'ai pas utilisé la marque. Ouais. Donc j'ai plus d'emplacement de sort. Maintenant, j'ai une autre attaque que je peux faire parce que je suis. J'ai pris la spécialisation d'armes à deux mains, là, je crois. Maître d'armes à deux mains. Ouais. Voilà, merci. Maintenant, je targette. Ah, attends, je vais faire le ménage aussi. Je targette ce truc. Je refais attaque de halbard. Oh, voilà. À un près, tu le t'en as. Oui, à un près, mais. Voilà. Merde, ça, c'est le coup de manche. Non, c'est pas ça. Attends, ça excuse-moi, je me suis gouré. Attends, deux secondes. L'armée 7. Deux secondes. C'est bon. Ah, je peux le relancer. Oui. J'ai fait le relancer. Donc, enlève lui 5 encore, désolé. Ouais. Le casse-couille, pas quoi. Soucis. C'est bon. Vas-y, c'est bon, tu peux. Oui. Oui. Yes. Allez, un grand coup de halbarde turgescente. Je suis déçu, tu l'as pas tué. Tu veux pas le finir avec un coup de manche là, non? Ah, je peux pas là, parce qu'on fait une troisième attaque encore. Non, au prochain niveau. Donc maintenant, Nessuno. Alors, je pense que. Bonjour. Bonjour. Je viens de me relever. Je vais me mettre devant. Merci. Je ne me mettrai plus jamais devant. C'est à ça que les gens avec des armures servent. Exactement. Et je pense que je suis très très en colère. Et que mon rayon argent, il va faire mal. Je n'ai rien à sortir. Je lance l'incantation.
Ah, ça a fonctionné. Je suis très très en colère. Et j'ai réussi pour les deux. Hop. Et bon, bah, il est très très mort. Cramé. Il est re-très très mort. Il est re-très très mort. Faites pas chier. Vous m'avez défiguré déjà que je suis toute cicatrice, enfin pleine de cicatrices. Ok. Donc maintenant. Fuber. Bon, je me dis que plutôt que de soigner, c'est bien que de plus avoir de menaces sur la gueule, sur notre gueule. Donc j'ai commencé par balancer un bon petit éclair à la gueule du monsieur du 4. Je suis tellement pas habitué à ce truc. Hop. Donc d'abord. Alors juste, je vérifie juste un petit truc rapidement. Désolé. Je crois que je peux le lancer avec un niveau supérieur. Utilisant un emplacement de sort niveau 2 ou plus. Ah, je peux augmenter les dégâts. Donc, je vais l'utiliser en dépensant un emplacement de sort de niveau 2 pour augmenter les dégâts. Ouais. Donc, je lance clair guidé. Du coup, faudra peut-être que je le fasse manuellement parce que je pense pas qu'il va le prendre en compte. Je pense pas, ouais. Il le prendra donc, pas en compte. Déjà, bon, on va l'attaquer. Et non. Bon, ben voilà. J'ai utilisé mon action bonus pour lui balancer une claque dans la gueule, hein, quand même. Ah là là, bah quand ça veut pas, hein. Et là, ça touche, bien sûr, hein. FG, il veut me troller. Bon, bah voilà, c'était bien. Et donc... Attends. C'est moitié dégâts ou... Non, c'est loupé, c'est une attaque, c'est raté. Oui, ouais, c'est raté, ouais, c'est échec... échec direct. Alors... Mais ce n'est pas fini, sortons... de la caverne qui se trouve... Ah, oh, putain, ouais, c'est un deuxième fait qui se couche, je l'ai jamais utilisé. Bon, voilà. Sortons de la caverne qui se trouve là. 1, 2, 3. Oula. Cool. Hop. Comment ça, 1, 2, 3 ? 1, 3, 4. Alors, lui... Bien il entendu, est... il y a... Pardon. Lui... Alors, attends. Oui, tu pourras faire ta réaction. Oui. Voilà, merci. Donc lui, il fait rien, il se bat contre son épée. Son épée, voilà. Qui en plus, et qui depuis tout à l'heure, lui balance des bonnes claques. C'est ça. Et donc il y en a un qui veut vous rien à votre rencontre. Et évidemment, il touche. Ouais. Putain, j'aurais tellement dû le soigner. Mais non, je peux pas relancer. Ah oui, pardon, c'est toi qui le tape. Je croyais que c'était le ptéro machin. Alors lui par contre il vient il en a d'ailleurs, élu, tu, pas. D'ailleurs comme... tu penses pas au fait que en pétant à moins 5 tu peux éventuellement balancer plus 10 dégâts. D'ailleurs j'aurais dû le faire ouais. Quand bon, enfin... il m'a donné son 16 enfin le ouais. Machin ouais. C'est pas grave. Lui arrive avec une javeline en main pour te essayer de te toucher. Bien entendu. Hein. Ah, il n'y avait pas un petit 2 qui pouvait arriver. Trop tard. Ah ouais, ton 2 là. Mais. Trop tard. Bon, mais en même temps, si on laisse pas autant que j'ai. Ah ouais, non, mais faut. Il y a un deuxième coup qui arrive. Et tu m'as pas eu le fait, Mickey ? Bah, j'ai essayé de lui balancer un éclair, mais ça, j'ai fait un misérable 1 en fait. Mais il moi ! Je suis devant, je suis à poil. Tour. Mais pourquoi tu veux lui faire des vieux dégâts, putain. Deuxième coup de javeline. Je me suis dit que si le mec il crevait, il avait pas trop balancé un coup dans la gueule, sauf qu'il y en a un autre qui arrivait. Ouais, bon, ok, c'est bon. Par ouais. Terre. Oh là là. Donc c'est un ptérosaurien qui balance des javelines, quoi. Qui te touche avec une javeline. Ouais. Même avec un D8 de points de vie supplémentaire, il t'aurait foutu au sol. Il te tape avec, ouais.
suivi en fait d'un autre qui sort de la même caverne. Oh putain. T'as... Non mais ça n'infinira pas. Faites pas des vieux sorts de dégâts. Enfin, je veux dire, on va reculer si tu veux taper. Hein. À 4 des 6 de dégâts. Qui arrive aussi au niveau de. Et avantage au prochain des attaques de contre lui, c'est pas non plus. Qui arrive au niveau de T-Rex. Oui, oui. Vous n'aurez pas nos œufs. Bah, alors lui, par contre. Il essaye de te mordre, il rate. Il essaye de te griffer. Touche. Je vais regarder si l'imposition des mains, ça consomme une action. Il réessaye de te griffer. Il touche. Hey. Alors, quant au... oui, j'étais pas sur le bon, mais c'est pareil, ça change rien. Hop. Ensuite, 6. Vous voyez arriver au bout de la caverne un autre qui arrive. Ouais, ok, super. Ouais, on est dans la merde, on est dans la merde. Au moins, l'avantage c'est qu'ici ils pourront pas attaquer à plus de 2 par 2. Lol. C'est ça. Bon, il est rien dit contrairement à l'imposition des mains. J'ai pas vu si c'était une action bonus, machin. C'est dès que je touche quelque chose. Tu soignes. Oui, tu soignes, ouais. Ouais. Alors, une créature, donc j'imagine que je suis une créature moi aussi. Oui, tu es une créature. Tu peux te soigner tout seul, ouais, aussi. Hein. Ouais. Bah, tu le sais rien d'ailleurs. Ouais, mais je vérifie au cas où j'avais pas fait une. J'étais censé mettre ma marque du chasseur sur un autre monstre, mais eux ils étaient pas arrivés du coup. Elle va. À celui qui était là. Hein. Il y en avait un qui était encore là, effectivement aussi. Et je crois que c'était celui qui était le ptérosaurien 4 qui était encore là. Oui, oui voilà, c'est lui qui était encore là. Ouais. Ouais. Le 4 il est là depuis le début en fait. Oui, c'est ça. Oui, il est occupé depuis le début. Il est occupé depuis le début avec son épée. Là. Bon, alors, c'est à qui maintenant? Ça tire. C'est à moi, je réfléchis, c'est deux. Cette allure, ouais, le mieux ça va être se foutre dans le dans le goulet en attendant de reprendre un peu de sens. Non mais on va changer de place, hein. Moi j'ai mal barre, je peux taper sur deux rangs. En plus. Ouais bah. Est-ce que je réutilise Zephyr Strike juste pour avoir l'avantage ou pas? Ouais, non, je vais juste attaquer pour l'instant. Est-ce qu'il y a moyen que... Non, je les bloque tous les deux, là, on est d'accord, je les bloque. Là. Oui, en partie, oui. Mmh, ouais. Ok. Bon, bah ouais, je vais attaquer. Ok, tu touches. Merde, il a fait jouer mon D6, mais... Pardon, il est pas sur lui le D6. Ah, alors attends. Faut lui redonner 6 points de vie du coup. Mais ouais. On redonne 6. 5. Du coup, tout du long, j'ai gardé ma concentration aussi quand il m'a touché. C'est cool. Ouais. Ah oui, parce que ça, c'est fait automatiquement, il me semble. Ouais, ouais. Ok, donc Azumi. Je suis en train de regarder un truc, je pense que faire du dégât pour faire du dégât ça nous apportera pas grand chose. Je vais lancer un sort de toile d'araignée sur les... Donc une toile d'araignée qui va tisser... Comment est-ce que je peux me montrer ça? Hop. Donc une toile d'araignée qui va prendre appui sur les deux parois ici et qui va tisser, ouais, et qui va engluer donc les créatures présentes ici. Comment fonctionne le sort? Je crois que c'est par jet de sauvegarde. Donc... Logiquement, ouais, c'est en... Ah, et
Je sais pas si elle est dans la 4 aussi dedans. Ah, j'ai oublié un truc que je pouvais faire. Pas. Je regarde, c'est 4 cases par 4 cases, oui, donc je peux la mettre dedans. Ouais, tu peux la mettre dedans. Ouais. Oh putain. Réussi. C'est la vie. Attends une seconde, je vais vérifier. Il y en a un cas qui a raté. Ouais. Ouais, il y en a un cas qui a raté, effectivement. Un problème, mais attends. Vous pouvez dépenser un point de chance pour un des 20 supplémentaires. J'aide. Ah oui, mais c'est moi qui l'effectue, pas mes ennemis. Je regardais pour chanceux. Alors. Par contre, pour leurs prochaines attaques, t'as toujours un 2, il me semble. Entravé, je l'ai mis déjà. Ok. Puis je pense que je vais m'approcher ici pour. Menaçant, l'air menaçant, j'attire l'attention des créatures, l'air menaçant, et je lève le pied. Je maintiens donc le pied en suspension au-dessus des œufs, menaçant de les écraser. Tu peux tenter le. Ah oui, en plus, alors là, c'est génial, ça vient de te mettre deux stats de mort d'un coup. J'aime bien faire des 1. Au prochain échec, t'es mort. Aïe, aïe. Heureusement, on va pas aller. Azumi, tu peux tenter l'intimidation avec des avantages, s'il te plaît. Intimidation Avec des avantages. Ah, et t'as plus de 16 ans. Je suis tellement bon. Et ton d'héroïsme si vraiment c'est pas un jet trop moisi. Ouais, attention, hein. Alors, désavantage, hop. Intimidation. Ah, oh, ça va. N'oublie pas que tu as des points d'héroïsme. Je drop un 20, quoi, mais. Et n'oublie pas que t'as des points, voilà. Ça fait 18. Au cas où, c'est s'il fallait un peu plus. Ok. la conséquence de ça, c'est que tu vas être pris pour cible maintenant. Cool. Tu vas prendre des javelines. C'est ça. Tu vas prendre des javelines dans la gueule. Tu sauras ça à ton tour. Enfin, au tour des créatures. Ça les. En tout cas, les deux premiers qui sont dans la lignée voient ça et. Auront un désavantage en fait sur leur prochain jet d'attaque. Wouhou. Tu les perturbes. Nessuno, c'est ça, ouais. On a besoin de toi là. Oui, bien sûr. Sauf oui. Que je suis un peu embêté. Bon. Sauf. Non, c'est que j'avais oublié que j'avais retiré. Bon, bah, je vais attaquer le plus proche. Ok. Oh, pardon. Yes. Et je ne fais qu'un dégât d'éclair. Bien entendu, j'ai oublié de préciser que j'agitais la branche d'un arbre qui a été frappée par la foudre au-dessus de ce. Thésaurien, et je l'avais sorti de mon sac. Ah, c'est vrai qu'il est entravé, donc du coup, là. Il a déjà un désavantage. Hein. Thésaurien, ouais. Thésaurien. Non, mais c'est, je me demandais pourquoi il avait un avantage, mais ouais. C'est peut-être parce qu'il est entravé. Qu'il est entravé. D'accord. C'est tout. Je découvre des choses aussi. Oui, je ne peux faire que ça. T'as pas d'action bonus pour faire autre chose, je crois. Je pourrais utiliser un éclair supplémentaire la prochaine fois. Ok. Ok, c'est donc à moi. Ouais. Donc j'ai utilisé mon action normale tant que je suis à cette distance pour lancer. Alors je vais faire ça dans starter sinon FG va me faire chier. Donc je lance, tatata, il est ici. Et toi tu es ici. Donc comme ça. Oui. Voilà, et donc avec mon déplacement... Je vais mettre, en gros, je me mets par-dessus lui pour attirer l'attention de la créature, histoire qu'il ne le balance pas un coup dans la gueule. Mmh. Donc, faisant rempart de mon corps, et je dors de l'arme
je donne l'ordre mental à mon épée de le frapper dans le dos parce que bah parce que dans le... il faut. Hein. Ok. Et donc voilà. S'il te plaît. Encore tant que c'est l'arme spirituelle, c'est... je préfère encore dropper les 1 dessus quoi. C'est le 5. Ouais. Hop, arme spirituelle. Voilà, donc hit. Voilà. Et donc, bah, j'ai fait mon action et mon action bonus. J'ai fini mon tour. Voilà, ok. Je fais rempart de mon corps au-dessus de mon ami paladin. Oui. Et donc... Tu vas pouvoir ramper en dehors du danger parce qu'il est mal. Ouais, ouais, là, c'est... C'est dur, hein. C'est dur moralement. Bah du coup le 4 continue d'essayer de s'occuper de l'épée même si elle elle ne vise plus forcément. Ouais. Avec beaucoup de motivation, il finira par la faire disparaître cette épée. Le 5. Il est restrain. Il est restrain. Un chef de sauvegarde de dextérité normalement. Mais il peut le rester, hein. Moi je suis totalement d'accord avec le fait qu'il reste. Tu peux. Alors en fait, il faut savoir que toute créature qui commence son tour doit faire un test, un jet de sauvegarde de dextérité qui commence son tour donc sur la zone de toile d'araignée. Ouais. Et toute créature qui est entravée peut utiliser son action pour faire un jet de force pour se désentraver. Cool. Ah oui, du coup les. Oui, non, oui, 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 c'est jet force, aussi, ouais. Le 4 aurait dû refaire un G ou c'était vraiment que le premier tour qui devait faire un G? Écoute, il y a écrit chaque créature qui commence son tour dans l'étoile ou qui entre au cours de son tour doit faire d'accord, un jet de sauvegarde. D'accord, les 3 vont le faire du coup. Ouais, les 3 vont le faire. En fait, il aurait dû le faire le 4. Alors attends, le 4 fait. J'ai oublié de le faire. Sauvegarde. On peut pas connaître les sorts par cœur, hein, surtout qu'il y en a trop. Donc, de toute façon, il rate. Il est entravé. Il est entravé. Merci. Alors par contre le 5, lui, il va faire un test de force. C'est une action, je crois, hein, par contre. Oui, tu utilises ton action pour faire ça. Non, il va plutôt essayer de d'attaquer Hans. Qui? Mais s'il est restreint, il peut pas attaquer aussi. Si. Peut attaquer, mais il a un désavantage. Il est désavantagé. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Mais ça se cumule pas. Ça se cumule. Je fais rempart de mon corps. Pas assez, apparemment. Donc, il essaye de mettre ses coups de javeline. Oh putain. J'ai 13 d'armure quand même. Mais je vais retomber au sol. Et comment ça se fait que t'as que 13 d'armure? T'as pas. Attends, c'était. C'est pas bon. C'est pas Hans ou Fubert, oui, pardon. 13 il me touche, hein, de toute manière. Mais en fait, vu qu'il y a les deux tokens de l'un sur l'autre, en fait. D'accord, tu peux comprendre comment ça se fait que Hans a que 13. T'as pas de dex? Bah, on a pas de dex, on est en armure lourde. Mais bon, là, on a vu que on n'a pas eu le temps de remettre notre armure derrière le. Parce que bon, non, mais ça, avancé. je sais bien pourquoi vous avez pas d'armure, mais je pensais que vous aviez au moins plus un index ou un truc dans le genre. Donc, Et le non, deuxième avec une armure lourde, Javeline. il y a 10, il touche. Il va me foutre au sol avant que j'ai le temps de taper. Oh là, je vois pas comment on sort de la merde, là. Franchement. Bah là, il y en a deux qui vont tomber ce tour-ci de sueur. Va falloir fuir, hein. Le problème de la fuite, c'est que dans le goulet, on va se faire ratiposer le dos, quoi. Et en plus dehors, dans le goulet, tu sais qu'il passe pas. Hein. Dans le goulet, là, d'où vous venez, il passe mais pas. Mais en dehors du nid, ils vont nous trouver, quoi. On va pas non plus aller. C'est une autre chose. T'as qui? Attends, c'est au 6. 6 qui doit faire son test de sauvegarde. De sauvegarde de Dex. C'est raté. Ouais. Nous remercions cette toile d'araignée qui va nous permettre de le... éventuellement de nous en sortir. Donc il attaque T-Rex avec des avantages, pardon. Hop. Désavantagé. Ah, donc, voilà. Ça c'est miss. Donc la morsure. Ensuite. Le premier coup de griffe. 3 attaques par tour, quoi, lol. Ah bah tu vois, 17 et 20.
Au moins ça aura sauvé du coup critique. Hein. Ouf, ça va. Effectivement, sans ça, il aurait pu nous balancer un critique dans la gueule. Et le deuxième coup de griffe. Qui rate. Et bien le 7 se rapproche. Oui, et donc du coup fait son jet. Et du coup fait son jet, exactement. Je sais pas combien il faut pour en dex pour réussir. 14. Il faut réussir. Bah voilà. 14, donc quoi. Il est entravé aussi. Bon. Comme quoi, il n'y a pas que les sortes de dégâts qui font des trucs extraordinaires et, T-Rex. Et bien. Bon là, j'ai une idée. Idée pour ton tour. Ouais. Je serais toi, j'essaierais de taper les plus endommagés. Hein. Ah bah. Ouais. Surtout qu'ils sont tous en désavantage pour ce tour, il faut en profiter pour faire la place. Hein. Bah, le problème, c'est que si on va aller voir le mec en haut. On tape Oui, on tape. Je vais utiliser mon sort de frappe Zephyr ce coup-ci. Il permet de me déplacer déjà sans provoquer de machin et qui en plus me donne un avantage à l'attaque. Et tape. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? Ah, t'as plus un D8 aussi, ok, d'accord, de dégâts, j'avais pas vu. Ok, parce que je me disais. Bon, il va balancer une grosse patate sur le monsieur tout vert. Oui, bah heureusement. Merci, encore merci à ce jet de toile d'araignée. Non, parce qu'avec son sort, il avait un avantage dans tous les cas. Ah, ouais. Est-ce que tu as une action bonus? Non, j'ai pas d'action. Ah, oui, tu l'as déjà utilisé pour ton truc. Ouais. Est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on s'en va pas? J'ai une idée. J'ai une idée. Là, on se met pas qu'on s'en aille, mais bon. Ah, c'est surtout quand je mets pas de corps, là, on est en plein milieu à combat. Ben, moi, je ne provoque pas d'action de machin, donc je me barre. Excusez-moi. Ah, c'est chaud ce que tu fais. Donc là, tu baisses à moitié mort. Bon, enfin... Attends un tour, c'est tout ce que je te demande. Ok, d'accord. Après, tu fais ce que tu veux, hein, t'es grand, tu. Bon. Non, mais je vais jouer joueur et pas roleplay, je vais. Est-ce que c'est à mon tour? Non, c'est à Zumi d'abord. C'est à moi d'abord. C'est à Zumi. Ah oui. C'est de violer. Tu vas nous remontrer son nudité qui était déjà extraordinaire. Zumi qui est déjà à Port d'Anziarou. Il a fait un portail. Il a fait un portail, c'est vrai. Il a lancé un bon moment le MVP avec son sort de toile d'araignée. Mais écoute, je sais pas. Je pense que mon dernier emplacement de niveau 2 pour une nouvelle toile d'araignée, si jamais ça pue, je vais me contenter d'un rayon empoisonné. Ah oui, c'est vrai que tu sois illimité. Ça me fait chier de claquer un rayon empoisonné sur le mec tout rouge parce que j'ai peur que ce soit gâché. Non mais il faut faire de la place. Au pire, il y a le mec tout orange derrière, ça sera moins gâché si ça l'amuse. Ah, il a réussi son... Il sera pas empoisonné. Oui, bon, mais... il va prendre les dégâts. Voilà. Tenez un recours. Merci. Bon, donc lui, il est mort. Hop. Et alors, je pense que je vais... Aller sur la droite. je vais aller loin des œufs, tu vois, qui vont faire que je vais. C'est mon pied. Est-ce que prendre un ou deux œufs, ça consomme une action ou pas? C'est... Non, c'est même pas. Non, faut que tu les fous dans ton sac. C'est juste une interaction en fait. Prendre un œuf. Ils sont très gros les œufs, genre je peux en prendre un dans la main. Est-ce ouais, que un. Deux dans non, la main. Tu peux en prendre un dans la main. Que, d'accord. Ouais, c'est quand même... Je vais me contenter d'un seul parce que après il faut quand même que je puisse lancer des sorts. Et on se déplace de combien de cases déjà? 6. Bon. Je vais me mettre là des fois. Des fois qu'il y en a un. Je vais aller prévenir la vieille que tout se passe bien. C'est une bonne initiative pour éviter de crever, on va dire. Ok, donc c'est. Je vais faire ça, voilà, ça me semble pas mal. C'est à Hans. Bon, je vais ramper. Ouais, bon, désolé, hein, la vue d'un fuber, l'éducation d'un fuber. Je me relève. J'essaie de faire le point de suite.
Donc, mon impôt des mains, ça, tu me le comptes comme quoi? C'est une interaction aussi, de toucher les bourgs? Non, ça, non, c'est une action. Non, non, c'est pas écrit, hein. Je vous assure que j'ai... Non, c'est une action. C'est une action. C'est votre contact... Non, mais y a rien marqué, si tu veux. Au prix d'une action, vous pouvez une toucher action. Une créature épuisée dans votre réserve pour soigner autant de vie que vous désirez. C'est une action. Oui. Ok, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Et tu veux claquer toute ta réserve d'un coup si ça te fait plaisir. Oui, ben, je pense que c'est même pas que ça me fait plaisir, c'est que c'est un peu... On est donc, un peu dans la merde. Vas-y, fais-toi alors, plaisir d'un coup. Je vais... Ah, je sais pas qui va se ressortir ce petit doigt, mais ça va faire zizir. Je sais plus combien t'as. Bon, il faut que merde. Voilà. Il me reste encore. Voilà, c'est bon. Je suis voilà. Un PV de blessure. Tac, 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 tac. Et avec mon action bonus, ouais. Je vais mettre un coup de tonfa, enfin non, un coup de manche. Et comme ouais. C'est une arme à deux mains, je peux le faire. Ouais. Tu peux t'imposer. Bon, je tente le moins 5, on est d'accord. Ouais. Et au pire, t'as un point de d'héroïsme si vraiment. Et en plus, il a t'as avantage puisqu'il est enlacé. Donc bon, je tente un méga coup de manche. Je vais essayer de attraper. Ah oui. Ah, tu vas lui venger la gueule, quoi. Donc, un avantage, c'est ça? Ah oui, de toute façon, ça va le faire tout seul, c'est ça? Ouais. Et il faut juste que tu mettes moins 5 dans ton modificateur en bas à gauche. Hit! Hito. Hit. Je touche. Donc, je rajoute plus 10. Ouais. Au dégâts. Donc, je mets plus 10. Ouais. Ouais. Et coup de dégâts, coup de manche. Voilà. Sacré coup de manche. Quoi. C'est du gros coup de manche quand même. Hein. Là, c'est du gros coup. C'est du gros, j'aurais même pu relancer le 2 si je. Bon, c'est un des 4. C'est comme ouais, tu veux. Non. Au pire, relance le dé et ça rajoute un dégât ou ça le. Voilà. Bon, je relance quand même. Relance le dé, ouais. C'est... Voilà, ça fait 2 de plus. 2 de plus, voilà, je remets 2 de plus. 2 de plus, hein, plusieurs fois, il y a des monstres, hein, ou 2 points de vie. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, oui, ça se joue des fois à 2 points de vie, ouais. Bon. Du coup, maintenant, c'est. Voilà. Bon, là, je compte sur toi maintenant, Fubert, pour leur faire comprendre. Ah, bah, je vais lui faire doublement comprendre mon point de vie. Je vais lui mettre du plomb dans la tête, hein. En fait, j'avais prévu de. D'infliger continuellement des éclairs de sorcière à la même cible. Ouais. Mais, elle est mais elle est morte. Mais exactement, du coup... Du coup, il y a un petit bâtard là qui nous lance des lances, là. Je sais pas s'il y a moyen de lui balancer lequel. Mais je pense que je vais refaire un rayon ardent. Que c'est celui qui est mort, hein, celui où lance. Ouais, ah, ouf. Non, il est mort. Pas de rayon ardent, s'il te plaît. Mais pas ça. Pourquoi? Pas dans l'étoile d'araignée. Pas le rayon ardent, parce que tu n'avais plus de toile d'araignée, sinon. Ah, tu veux récupérer l'étoile d'araignée? Non, mais on il veut surtout récupérer. Sinon, il n'y en a plus. On est encore en vie, l'étoile, quand même. En fait, il veut la soie. Alors, en fait, ça peut être un bon combo, parce que quand tu mets feu aux toiles d'araignée, tu infliges des dégâts de feu à tout le monde. Mais les dégâts de feu sont tout pourris, et eux, ils nous font bien mal. Donc. Et oui, le fait qu'ils soient entravés, c'est tout bien pour nous. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Du coup, tu peux pas faire une zone là qui... Ah non, ça va faire trembler aussi. Ça, bah ça oui, casse. Ça surtout, ça risque. Non, mais je vais les un seul okay. En fait. Eh ben, vas-y. Attends. Non, c'est ça. Hein. Bah, dommage. C'est vrai que le feu, on n'y pense pas, mais c'est la plupart du temps, c'est bien. Mais il y a des petites situations comme ça où. Je peux quand même faire une deuxième onde de choc. Est-ce que ça casserait? Non, par contre c'est pas en épicentre sur toi l'onde de choc c'est à portée c'est à non distance. Pas du tout. Ah d'accord. Non, elle est petite portée. Ouais. Voilà les 15 points que tu les as. Voilà, tu les as les 3 là. Exactement. Oui, oui. Et je le fais en sort de niveau 2. OK. Donc tu vois, je me retire j'ai pas encore fait les dégâts. Un emplacement de sort niveau 2 et ça fait des 1 d8 à la place, c'est ça? Je regarde, excuse-moi. Voilà, les dégâts augmentent de 1d8 pour chaque niveau d'emplacement supérieur au niveau 1. Comment ça se... Pourquoi c'est 1d8 de base et c'est 1d8? Je vais...
Il faudrait que tu le fasses manuellement le dé en plus. Ouais, d'accord. Ouais, il y est pas. Ouais. Donc c'est 2d8 dégâts de tonnerre et elle est repoussée de 2 cases à chaque fois, de moi. Ce qu'on a oublié, oublié de faire la dernière fois. Et il est obligatoire l'effet de repousser ou pas? Je pense que en cas d'échec. Automatiquement. Non. Ouais. Pardon. Attends. C'est seulement en cas d'échec. Oui. Donc, il y en a qu'un qui va reculer. Mais il se prend quand même 2d8 de dégâts. Oui. Écoute, ce que tu vas faire là, prends 2d8 et mets-les directement sur les 3d8 pour le coup. C'est le 2d8 plus le dé en plus pour. Ça fait mal cette merde. Bah, c'est comme mon éclair, elle fait 4d6 et. Ouais, et en plus, je l'ai monté d'un niveau en fait. D'accord. Du coup, je dois prendre. Comment je fais pour matérialiser? Alors, tu prends le D8 qui est le 4ème dé à partir de la gauche, tu fais un clic droit dessus et tu cliques sur 4. D'accord. 3. Parce que t'as 3D. Et tu les mets sur les figures. Enfin, les. Non, mais ça marchera pas comme ça parce que ça sera pas. Ça marchera pas sur. Bon, bah écoute. Non, lance, et on rajoutera le 3ème. D'accord. Ah, c'est le. Bon, sinon, elle peut lancer directement le D8, mais bon. Lance déjà. Voilà. Voilà. Rajoute un D8 maintenant. Bah, c'est premier. C'est pas grave, on les fait. Voilà, et maintenant je fais un D8. Ah oui, il y a deux créatures différentes. Voilà. Et maintenant, je lance encore le D8, mais. Voilà, pour chacun. Pour chacun. Donc pour le 4. Attends, il se l'est reçu là ou pas? Ça fait rien. Comment ça, ça fait faut rien? Faut le lancer dans le chat si tu voulais prendre. Lancer dans le chat. Pardon. Oui, il faut le lancer dans le chat. Donc le 4, excusez-moi, combien il prend en plus? Je reviens, attends. Au pire, tu fais. Voilà. Bon, il prend 6 en plus en 4. 2. Le 7, il prend 3. Et ah oui, 6, mais par contre, c'est divisé par 2 pour les. Je crois pour le. Quand il réussit son jet. Oui. Ah. Alors, c'est le. Hop, le 4, il prend. Donc 3. Non, faut rajouter le 3 en plus et le diviser le tout par 2. Les autres, ils font. Ils prennent. En fait, le deuxième au total, il a pris 7 au lieu de 5, quoi. Ouais. Donc, ils ont fait des jets de sauvegarde de constitution, c'est ça. 1, 2, 3, 4 échecs. Ok. Et il y en a donc 2 qui sont repoussés de 3 mètres. Non, il y en a 1 qui est repoussé de 3 mètres. Donc, j'ai pas pouvoir le taper. Tant pis. Bah, sinon, c'est l'occasion de fuir aussi. Hein. Non, mais il, comment il s'appelle On va dire comme ça. Voilà. T-Rex. Ah, con. Bon, bah. C'est ta fumère. Bah, du coup, vu qu'il y a la toile d'araignée, je peux pas aller leur taper dessus. Oui, mais t'as une arme, mais tu peux soigner quelqu'un et faire une attaque bonus avec l'arme. Non, pour faire une attaque bonus. Ah, oui, l'arme magique, oui. Mais oui. Bon bah, est-ce qu'il me reste comme sort? Enfin, je pense que vaut mieux soigner T-Rex. Au tour précédent, est-ce que j'avais lancé un sort? Oui, j'ai lancé un sort. J'ai juste oublié de cliquer dessus. Hop. Et donc, hop. Je vois juste ce que ça fait quand je lance ça. Ok. Donc, puisqu'il n'est plus à portée, je vais donc effectivement utiliser mon dernier sort. Hop. Et non, attends. Je décoche le truc juste pour pouvoir avoir le droit à encore avoir mon sort, parce que sinon il disparaît. Hop. Donc. Mais tu le fais après, en fait. Oui, non, mais en fait, quand je clique sur mon dernier truc coché, le sort disparaît, je peux plus faire ça, en fait. Ok, donc je lance un dé. Wow. Non, mais sérieux. Et t'en as 5 de plus. Bah oui. Je pensais leur mettre de grosses patates, mais du coup, ils sont hors de portée maintenant. Et maintenant, tu peux faire l'attaque avec l'épée. Voilà, donc maintenant, je peux faire l'attaque avec l'épée. C'est le 4. Est-ce que tu vas pouvoir finir le 4, ouais. Donc, du coup, là, je reclique dessus. Non, parce que si je reclique dessus, je ne vois plus mon sort d'épée. Donc, du coup, je peux plus. Tu veux quoi? Ouais. Non, c'est bon, c'est juste j'ai décoché un sort, j'ai plus de sort, mais sinon le arme spirituelle disparaît, je peux plus aller chercher mon dé en fait. D'accord. Donc voilà, j'ai plus de sort, c'est juste pour avoir le droit de faire ça. C'est un hit. Voilà, allez, vas-y, finis-moi cette merde. Ou pas. Non mais.
Bah, le... si... Non, non, c'est pas... Par contre, si était resté au CAC, j'aurais pu lui faire 2d6 plus 10. Oui. Bah, deux fois. Je trouve qu'on est quand même assez enclin au génocide, hein, à l'épuration ethnique, là. Je sais pas. Bon, ben, bah, tant pis. Hein, bah, allez, voilà. Oh, mob. On va voir si on survit. Bah, test de force, hein, du coup, là. Du coup, c'est le nombre de fois qu'on m'aura empêché de le finir. Pas le choix pour pouvoir se rapprocher. Du coup, là, on peut se barrer. Hein. Donc là, ils doivent faire une action pour briser les... Ouais, pas le 4. Le 4, il est toujours en train de se... De se dépatouiller avec, avec son épée, voilà. Par contre, le 6, donc, il tente le test de force. Qui réussit. Voilà. Ah, oui. Mais il continue à se déplacer dans l'étoile d'araignée. Voilà, et il se déplace, voilà. Et, donc, une fois, il refera un test après. Voilà. Voilà. Suivant, ouais. Ok. Du coup, il est plus entravé ? Non. Faut que tu lui enlèves l'entrave. Et celui-là, Riser, d'office, je vais lui donner un 2. Donc ça veut dire qu'il a perdu un tour à essayer de se sortir de là, c'est ça ? Ça. On va y arriver, Ce sera laborieux. On n'en est qu'un seul au corps à corps. Donc c'est au tour de T-Rex, je crois. Mmh. Bah, ouais. Bah, moins que le ptéronosaure puisse attaquer. Le 7, ouais. Non, il a donné un 2. Il a utilisé son action à se... Voilà, c'est ça. À essayer de se désentraver, il n'a pas réussi. Ah oui, j'ai avantage. Oui, alors par contre, du coup, effectivement, il faut peut-être lui virer l'entrave pour pas avoir les avantages. Où il faut ah oui, pas. Parce que normalement, là, ouais, t'as fait un 6. 6 plus 5, t'étais à 11. Non, on sait pas ce qu'il a fait. Si, il y a marqué drop. Pas de 6, non. Et drop oui, 6. Mais on sait qu'il a droppé le 6, mais on sait pas si c'est le 6 qu'il a lancé d'abord ou le 9. Donc il faut qu'il refasse un test. Ouais. Ok, d'accord, oui, je vois. Ouais, effectivement, il y a pas effectivement. De toute manière, même avec le 6. Enlève-lui l'entrave au. Est-ce que tu peux lui enlever l'entrave au 6? Non, avec le 6, il touchait pas. Ah, d'accord, effectivement. Oui, pardon. Le 6. Bah, au pire, il aurait utilisé un point d'héroïsme, enfin. Donc, est-ce qu'il refait le test? Oui, il refait. Bon, ouais. Il refait le test, c'est bon, ça touche. Voilà. Pouf. En plus, c'est des sacs à PV, quoi. Ah bah oui, sinon ça c'est pas drôle. Alors, j'ai découvert un truc super. Si tu appuies sur le bouton droit, et bah, ça te fait un avantage ou un désavantage. En tout cas, j'avais 2 D20, c'est pour ça que j'ai bataillé. Bref, j'ai fini mon tour. Moi, je pense que je vais... cramer mon dernier sort. Allez, en finesse. Projectile magique. Après, il me restera que des traits de feu, donc. Ou à se faire son agicide. Ah ouais, non, c'est un niveau, c'est non, c'est pas. Il y en a un niveau 0, mais c'est pas lui. Oh bon, voilà. Tu l'as touché? Non, automatic miss. J'ai raté automatiquement. Raté. Donc j'ai cramé mon sort pour hein. Que qui dalle. Qui c'est qui n'a pas eu son 1 ce soir? C'est à qui maintenant? C'est à toi. Hop. Oh merde, attends, j'ai sauté deux fois. Ouais. Alors, je vais... Ah bah je suis à portée. Oui, t'as porté ta halbarde. T'avais même peut-être une action... Je vais tenter d'abord avec mon action bonus un coup de manche. Vous verrez pourquoi. Et donc t'as le droit à ton moins 5 si tu veux pour te mettre plus 10 de dégâts. Oh pff. Ouais non mais oh non mais là j'ai pas d'avantage là. Ah oui c'est vrai. Je pense. Il a l'air très endommagé. Oui effectivement. Bon écoute au pire je passerai pour un con. C'est pas grave. Ouais allez c'est parti. Je crois que j'ai touché. Ah oui, à 24, oui, effectivement. Ouais. Donc, dommage, deux coups de manche. Paf boum. Même pas besoin d'aller de... coup de manchette. Et maintenant, je vais prendre ma putain de javeline. Et je vais faire pour la première fois une attaque de lance. Incroyable. Je suis à portée, oui, j'ai 30... Oui, c'est bon, à 30... Hop. Je le targette. Attaque javeline. Ouais, c'est le lancer. Hein. Oui, il y a une différence entre. Allez, c'est parti.
Et c'est un critique parce qu'il est entravé. Et là, je lui fais les dégâts. Saloperie! Oh putain! Bah empalé! Il est même reculé contre le mur tellement dans son dos et il est rentré dans son cloaque. C'est ça. Voilà! Ce retournement de situation. Il ne reste plus que. Une merde. J'ai fini mon tour. Ouais. Merde. Contre le MJ, tu. Enfin, Riser, tu me demandes pas assez souvent de faire des D20. Faudrait que je le fasse. Immédiatement après avoir lancé un sort d'ensorceleur de niveau 1 ou supérieur, le MD peut vous demander de faire un jet. Peu. Ah. Oh bah c'est pas oui, drôle. Là vous étiez pas. Voilà. D'accord. Voilà. Pas sachant qu'il y a des effets bénéfiques, tu vois. Ouais, c'est aussi. Ça. Il n'en reste plus qu'un. Et je regarde en fait que, grâce à ma capacité, ma particularité même de métamagie, j'aurais pu utiliser en tout cas ajouter une certaine intensité à mon sort, c'est-à-dire sort intense, de sauvegarder pour résister à ses effets. Vous pouvez dépenser 3 points de sorcellerie pour désavantager la cible lors de son premier jet de sauvegarde contre le sort. Oui. T'as de la métamagie, s'il te plaît. Je sais pas combien de points t'as de métamagie en fait, ils te disent. Alors, je vais te le dire. Normalement, t'en as deux. De points de sorcellerie ou un truc du genre. Ta source de magie, t'en as deux en fait. Ouais. Donc, je pourrais rien faire pour l'instant. Super. Je vais balancer un magnifique. On est niveau combien ? 4. Points de sorcellerie, 4. Alors, je sais pas si c'est la métamagie, c'est là-dessus. Je vous le dirai tout à l'heure, de toute façon, je vais utiliser un truc banal. Je vais juste faire un rayon de givre. Non, une poigne électrique, pardon. Merde. C'est ça fait quelque chose, là ? Mais normalement, il est pas désavantagé. Est-ce que tu l'as ciblé ? Non, je l'ai fait tomber. Refais un jet, alors. Ouais. Ah bon. Pourquoi deux ? Non, mais c'est pas grave. Parce que cette fois-ci, tu l'as visé. Ouais, donc soit un 14, soit un 15, bon, c'est bon. Et à 14, tu touches de toute manière. Ouais. Ok, hop là. Bien. Après, si t'as plus de magie, je te rappelle, t'es une arbalète. Oui, mais là, j'ai fait un sort mineur parce que je. Ah oui, c'est vrai, c'est un infini. Putain, moi j'étais encore avec le magicien avec son arbalète, genre, bon bah j'ai plus de sort, et voilà. Bon je sais pas si on a. Il me semble qu'il y a les délayés, est-ce que c'est possible? Mais je crois que c'est tout mon tour que je délaie si je fais ça, combat. C'est ça. Tu retardes ton action. Retarder mon action. Mon but étant que s'il vient au cac, je lui balance mes mandales. Ok, d'accord. Okay. Ça marche. Donc au niveau 4, j'ai 2 points de sorcellerie. Excuse-moi de revenir dessus. Ok. C'est ça ? Oui, c'est. Ah non, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. On va regarder. Sinon, je regarde sur DD. C'est ce qui est écrit sur ton tableau. Hein. Après, non, en fait, parce que c'est par rapport aux échanges de. Enfin, ce que j'ai sur mon petit dragon rouge, c'est pas ça. Ah, t'as encore autre chose, ok. On verra tout à l'heure. Oui, on verra, excusez-moi, je veux pas vous. Finir le combat. C'est au petit rose ou rien. Oui, tout à fait, qui fait donc son test de force. Soit il reste bloqué, soit il vient se prendre des. Ouais, il reste bloqué. Oh, mais c'est trop fort, hein, ce sort de merde. Ah, par contre. Je rappelle à T-Rex que je lui ai donné une javeline. Ouais, c'est tout. Oui. Je pensais à ça et je pensais à un truc à la con, genre. Ouais, moi j'attends, hein, tant qu'il vient pas prendre sa claque. Voilà, c'est ça, je voulais le bousculer pour qu'il rentre dans votre truc. Là, le truc, c'est que tant qu'il est en dehors de la toile d'araignée. De toute façon, si t'approches de toi, Fubert le tapera. Et Hans aussi. Ouais. Ouais, ok, bon, bah allez, je balance ma jambe. Bon, ah oui, mais par contre, j'ai pas le truc de jambe. Alors, Ah oui, merde. Ça sort d'attaque de toute façon. Ouais, ça doit être une arme de corps. Ça doit être un équipement de base. Hein. Ouais. Je pense que tu, en tant que crowder, tu dois avoir la maîtrise. Hein. Javeline. C'est quoi déjà ? Oui, tu l'as. Ouais. Attends, Javeline, c'est une arme courante, donc tu l'as. Ouais, il l'a, c'est sûr. T'as la maîtrise d'attaque normale. T'as les maîtrises d'armes de guerre. Donc bon. Ouais.
C'est juste un jet d'attaque normal. Hein. Ouais, vas-y. Eh, mais il me semble que ça se fait avec la force. Parce que c'est une arme de jeu. La dextérité, de toute façon. Ouais, tu choisis, c'est le meilleur, ok. Donc en gros, c'est ton truc de maîtrise plus ton bonus. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? On prend la première, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est bon. Bon, tous les cas, c'était touché. Et alors, et les dégâts, c'est 1d6 plus. Bah, en fonction de ta force. 1d6 plus bonus de force, voilà. Moi, j'ai plus 3 parce que j'ai 16. C'est lui, pareil, pas. Bon bah des 6 plus 3. Ok. Oh il prend 8. 8. C'est des dégâts perçants. On va continuer de le kite de loin en attendant qu'il vienne se prendre. C'est ça. Tiens, mange ça. Je suis fier. Donc forcément il est en train de piailler. Ouais, Azumi, est-ce qu'il sent mieux? Et Azumi, Azumi non, il va essayer. Il s'arrête là. Je vous dis, écoutez, franchement, c'est trop chiant, hein, je me casse. Tiens. Tout ce que je pourrais lui faire, c'est des traits de feu et j'aimerais éviter. Donc, Ah, tu passes ton tour? Ok. Bah, moi, j'ai bien passé mon tour. Hein. Là, je demandais à Azumi. Alors, il me reste encore des javelines. Hein. T'en veux? Si ça continue encore un ou deux tours, je finis par sortir la balette. Hein. Bon, ben, tire au pigeon. Donc, j'ai balancé une javeline encore. Ouais. Allez, tiens, enfoiré. Je le targette. Est-ce que la javeline est une arme à deux mains? Non, je déconne. Non, mais une main, là, je vais faire du je vais m'entraîner. Je peux pas jurer inimitié ou je sais pas quoi là. Attendez, c'est, merde. C'est une attaque? C'est une attaque, ouais. Il y a jamais dit. Enfin... Ah, ouais, mais c'est peut-être pas seulement sur les attaques au cac. Ah non, je peux conspuer l'ennemi. Non, c'est bon, je suis déjà avantagé, je vais pas le faire. Double Excusez-moi hein, d'être tactique. Allez, c'est parti. On est littéralement en train de lui balancer nos crottes de nez de loin. Bon, tiens, foiré. Paf. J'en ai encore. Allez, Nesuno. Et je passe mon tour. On lui balance nos cailloux de loin. Allez, viens, salope. Ouais, je vais encore lui balancer une poignée électrique. Attends, je me demande s'il fallait pas que je sois au contact. Il y a des chances, hein, c'est des poignées électriques. Et bah, dans si ce cas-là, je vais juste utiliser métamagie sort distant. Ah, pour faire un truc de contact à distance. Ça, c'est bien. Exactement. Mais en fait, c'est ce que j'aurais dû faire avant, vous auriez pas dû accepter. Mais c'est pas grave. Et ben au pire, bouffe tes points de métamagie. Voilà, on va dire que c'est fait. Et avant. Peut-être voilà, qu'à l'association de Maki, on t'aurait envoyé chier, mais pas ici. Bah écoute, on va dire que je l'ai fait auparavant et que mes 4 points sont... Ouais, voilà, tu les bouffes... À cause de toi, Razer, il va avoir des pouces rouges, quoi. C'est... Exactement. Ouais, j'adore ça, les pouces rouges. Bien. Mais je suis une noob. Ouais, en plus. Déjà, c'est bien, mais ta magie, c'est cool. Ouais. Ok, si donc il prend... Encore des javelines, hein. Il prend bien cher. Tenez. Pas cher. Bon bah moi ça va pas être compliqué hein. J'attends qu'il vienne au cake pour lui balancer. Au pire on voit là, finis-le avec ton épée là-bas. Finis-le avec ton épée, allez. Oh là là, bon bah tu vas le tuer avec un cure-dent volant. Non. Dans le dos comme ça, en plus il est juste pour le faire chier. Voilà. Je suis une épée magie. Tempus va te refaire le cul. Hello, motherfucker. Ah, merci d'avoir droppé. Oulala, oui. Ouais. Oulala, on l'a pas vécu encore. Allez. Alright, motherfucker. Ouf, voilà. Yes, oui. J'ai fait tous mes dégâts. Meurtre. Donc, Tempus, steak ashes les corps au sol pour être sûr qu'ils soient morts. Voilà. Et j'ai demandé à Azumi s'il veut récupérer la soie ou s'il peut faire disparaître. Non, je la fais disparaître. Merci. Le sort persiste tant que je me concentre. Donc, voilà. Et juste pour être sûr, on va les décapiter les créatures. Et les piaillements cessent dans la caverne. Parce que ça paye. Par contre, je suis prêt à ramener les œufs par au perso. Bien sûr. On ramène comme preuve. Feu, hein. Comme preuve, la nana. Hey. Ouais, mais bon. Hey. T'en veux un? C'est pour manger. Il y en a trois qui sont partis chasser. Vous êtes sûr qu'on a tué tout le monde? Ah merde! Écoute, moi il me reste des sorts. Hein.
Ouais, non, mais. Ouais. Alors, on va souffler un coup parce que. On va aller se mettre dans le goulet et on. Ah, mais non, j'ai plus de sort. Donc, on va attendre une heure. Eh, ils vont peut-être mettre un moment. Hein. Je serais d'avis quand même de prendre les œufs pour les baiser. Hein. Vraiment, ouais, ouais, d'aller les planquer. Viens avec moi, épée magique. On prend les œufs. Ouais. Oui. Et on laisse un message. On a vos enfants. Viendez pas faire chier. Par contre, ouais, et si ce sont des créatures intelligentes, on peut. Ouais, mais l'idée, c'est pas. C'est un petit dessin au cas où ils savent pas lire. La quête, si alors... on la relit bien, c'est pas qu'ils fassent pas plus chier, c'est qu'ils crèvent. Si alors, je bien. Moi, est-ce que je vais prendre. Est-ce qu'il y a des bâtons dans la grotte ? Dans la grotte, vous la fouillez un petit peu, donc juste, vous voyez. Ouais, si on peut. Ouais, notamment les. Non, parce qu'en fait, avec un bâton, j'aurais dessiné un gros geek devant le. Ouais, genre, voilà. Bon, de manière, comprendre, on va aller. Prends un fémur. Un gros fémur, ouais. Ah ouais, putain, il y en a des œufs. Ah ouais. Ah ouais. Et s'il y en a un qui est fertilisé, c'est le mec. Waouh. Moi, j'ai quand même fouillé un petit temps pour fouiller les squelettes et tout ça. Moi, je vais essayer. Ils ont des dinos partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rester à côté d'Azumi et je vais souffler pendant que vous. Je vais essayer de prendre un repos court pendant que vous fouillez la grotte. Ok. Ouais. Non, les repos. Est-ce que les repos courts permettent de retrouver juste un sort ? Je crois pas. Ça dépend de la capacité. Moi, oui, par exemple. Ah, faut une capacité, d'accord. Waouh. C'est combien de temps un repos court ? Alors attends, je vais vous le faire, le repos court d'ailleurs. Comme ça. Après, on va se coucher. Le loot, oui. Et puis on va se coucher. Voilà, oui. Repos court. Alors attends, pour utiliser le truc, c'est quoi ? Faut dé de vie, c'est ça ? Hein ? Ouais. Faut pas forcément. Il faut cliquer dessus une fois, c'est ça ? Pas forcément. Hein, mais tu. Tu peux cliquer dessus autant de fois que tu veux. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, Nessuno, elle fouille. Et tu trouves sur. Du coup, je suis. Oui. Tu trouves. Donc, il y a des squelettes. Pourquoi deux ? Pourquoi deux, T-Rex ? Et sur l'un d'eux. Oui, tant que tu as t'as le droit à niveau d'être vie pour chaque. Alors, par contre, tant que tu n'as pas fait de repos long, tu n'auras pas plus le droit à t'aider. C'est juste qu'ils reviennent. Tu trouves un sac à dos qui contient 6 pièces d'or. Oh, de l'or. On crève pour des cacahuètes. Une dague en argent. Oh, on peut la faire fondre. Putain, on verra magiquement, s'il te plaît. Et une potion de soins supérieurs.